Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un sujet à controverse, je le sens, puisque nous allons parler de livres, d'ouvrages. Attention, pas n'importe quels ouvrages, non, pas des ouvrages gentils, lumineux, qui vont parler des anges, qui vont vous dire que vous êtes beau, que vous êtes intelligent, etc. Non, nous allons parler ici d'ouvrages qui sont tabou, et pour certains qui ont carrément été interdits pendant très longtemps. Bienvenue à tous mes chers amis, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo qui s'annonce être passionnante. Alors, comme vous l'aurez compris, je vais ici vous présenter des ouvrages qui sont chers à mon cœur, dans le sens où pour moi ce sont vraiment des mines d'or, des mines d'informations, dans lesquelles on va pouvoir puiser plein de choses, surtout lorsqu'on se revendique être sorcier ou sorcière. Pour moi, un vrai sorcier, une vraie sorcière se doit de connaître beaucoup de choses, d'avoir une grande culture générale, mais d'avoir aussi une grande culture ésotérique. Très souvent, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos YouTube, sur partout, n'importe où, j'entends tout le temps parler des anges. Et ça, les amis, ça me gave au plus haut point. Pourquoi ça me gave? Tout simplement parce que on ne peut pas décemment que travailler avec les anges. C'est pas possible. On ne peut pas que travailler avec une seule chose. Je vous le dis souvent et très régulièrement, la vie est faite d'équilibre. Pour avoir un travail équilibré, pour avoir des pratiques magiques équilibrées et pour vous-même être équilibré, vous devez impérativement de travailler avec deux types d'énergie, puisque tout ce qui va être opposé va s'attirer, mais va aussi trouver une certaine complémentarité. C'est le principe même du yin et du yang. Hein, je vais être un petit peu vulgaire dans ce que je vais vous dire, mais vous prenez l'homme, la femme, ils s'emboîtent quand même vachement bien tous les deux, hein. Ben justement, ils sont l'opposé l'un de l'autre et pourtant ils se complètent super bien. Ils vont, comme je viens de vous le dire, bien s'emboîter. Sans mauvais jeu de mots. Non mais blague à part, il suffit de regarder la vie en règle générale. Tout ce qui est contraire va trouver son complément, justement, dans ce qui lui est opposé. Et quand vous pratiquez la magie, il y a plein de choses que vous êtes obligé de savoir, ne serait-ce que pour les rituels de protection. Parce que très souvent, et ça j'en vois des tonnes d'horreurs, mais au quotidien, je voulais dire d'erreurs. Lapsus révélateur. Mais je vois des tonnes d'erreurs dans le sens où des personnes se disent protégées ou vendent même carrément des rituels de protection, des sessions de protection, etc. Mais concrètement, quand je vois les méthodes employées, les méthodes utilisées, ben, j'ai envie de dire que ces personnes, en fait, vous fournissent du paracétamol pour soigner des cancers. Et ben, concrètement, non, ça marche pas, ça ne marche pas. Le meilleur moyen pour avoir des rituels de protection efficace, c'est déjà de savoir contre quoi on va se protéger pour pouvoir déployer et développer eh bien, des méthodes, avoir les outils, utiliser les bons rituels, etc., etc., contre les choses pour lesquelles on veut se protéger. Je prends un exemple très concret, on va pas du tout se protéger de la même façon. Si on fait par exemple, si juste on tire les cartes, on se fait une séance de cartomancie, eh bien la protection ne sera pas la même que si on fait une séance de spiritisme, qui elle-même ne sera pas le même type de protection que si on fait un rituel, tout simplement. Alors après, oui, on peut, il y a plus ou moins certains rituels qui sont, on va dire,
d'ordre général pour vous protéger, on va dire, du plus gros de tout. Je prends par exemple pour les rituels ou même pour toute autre pratique ésotérique, le fait de constituer un cercle autour de vous à base de sel, à base avec une craie aussi, avec votre baguette, avec tout ce que vous voulez mentalement, etc., constitue déjà une première barrière. Mais attention, c'est juste une première barrière. Donc qui dit barrière dit qu'elle peut être facilement surmontée quand même, hein. Donc quand vous pratiquez n'importe quoi, et même ça vaut même pour le pendule, pour la cartomancie, pour n'importe quoi, même pour des choses que vous pensez être bénignes, véritablement pensez à vous protéger. C'est-à-dire que oui, il faut faire votre cercle, mais il faut aussi vous protéger vous, parce que imaginez que une entité puisse percer le cercle, et bah du coup vous êtes vulnérable dans votre cercle, d'accord? Surtout qu'il peut avoir la capacité de percer, d'infiltrer votre cercle, mais sans le rompre. Donc ce qui fait que vous allez vous retrouver avec l'entité piégée avec vous dans le cercle. Vous imaginez le truc? Donc dans ce cas de figure là, eh bien il faut aussi penser à se protéger soi-même, donc mettre des barrières sur soi, etc. Ça on ne le dit jamais assez, c'est vrai, hein, c'est quelque chose que j'ai pu noter, même de personnes qui pratiquent hautement la magie. En principe, ces personnes vont très souvent parler du cercle, etc., mais ne vont pas parler d'autres protections derrière. Avant toute pratique, il faut impérativement avoir plusieurs protections, plusieurs barrières. C'est comme quand il fait froid, hein, le fait de juste mettre un gros pull ne va pas vous tenir chaud. Ce qui va vous tenir chaud, c'est d'accumuler les couches, hein. Vous mettez un t-shirt, un surpull, un sous-pull, un pull après, une doudoune, etc. Et là, vous aurez chaud parce que vous allez avoir plusieurs couches qui vont agir, chaque maille en fait de tissu va agir pour bloquer le froid. Et ben pour la pratique ésotérique, c'est le même principe en termes de protection. On va accumuler les couches, on va accumuler les protections de façon à ce que s'il y en a une qui lâche, et bien qu'on en ait encore plusieurs en secours. Et là, donc je vais vous proposer des livres qui pour moi sont des références à avoir. Alors je suis désolé avec les titres, je suis désolé avec les sujets que les livres abordent, mais effectivement ce sont des livres qui vont vous faire peur pour certains. Mais comme je vous l'ai dit, si cela vous fait peur, je vous invite à travailler sur ça, sur cette peur. C'est qu'il y a quelque chose que soit vous rejetez, soit vous êtes buté ou vous êtes frustré sur un domaine précis, ou alors vous êtes plein d'amalgames, plein de clichés par rapport à quelque chose. Donc véritablement, si dans les ouvrages que je vais vous présenter, il y en a un qui vous fait quelque chose, et ben je vous invite à travailler sur ça, à réfléchir sur ça. C'est qu'il y a vraiment une problématique qu'il faut que vous résolviez assez rapidement d'ailleurs. Puisque je vous le dis et je vous le redis, mais l'ombre ne fonctionne pas sans la lumière et inversement. Hein, je vous prends par exemple la lumière. Comment est-ce que vous sauriez s'il fait jour, s'il est lumineux, si vous ne connaissiez pas la nuit? Comment vous pourriez le savoir quand le soleil se lève, si le soleil était tout le temps, H24, 7 jours sur 7? Vous n'auriez pas la conception de nuit, puisqu'il ferait toujours jour, mais à tel point que le jour deviendrait quelque chose de mauvais, parce que vous en auriez marre. Imaginez quand même le soleil, plus de nuit, plus rien du tout. Vous savez pas quand est-ce qu'il faut vous coucher, vous savez pas quand est-ce qu'il faut vous lever, ça nous fatiguerait énormément le corps, l'esprit, les animaux seraient tous déboussolés, même la nature aussi commencerait à dépérir. Trop de soleil, trop de lumière, c'est quelque chose de nocif. Comme à l'inverse, trop d'ombre, trop de ténèbres, ça fait aussi le même effet. Donc la nature, la vie tout entière est un équilibre et l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Je prends les soleils, comment est-ce qu'on peut savoir que les soleils brillent dans l'espace, dans le cosmos, si justement ils n'étaient pas entourés de noir? On pourrait pas le savoir. Et inversement, si tout était noir, comment est-ce qu'on pourrait reconnaître la lumière? Donc c'est pour ça, vous ne pouvez pas décemment rejeter ou l'un ou l'autre, parce que je m'adresse aussi à certains, peut-être que certains sur ma chaîne sont exclusivement tournés vers le noir. C'est pareil, non, vous ne pouvez pas non plus être totalement tourné vers le noir. Pour avoir une bonne pratique, quelque chose qui soit équilibré, vous devez impérativement travailler avec les deux. Mais pour travailler avec les deux, encore faut-il avoir de la culture et connaître les choses. Et c'est là où ça commence à coincer, parce que aujourd'hui, on a facilement accès à plein d'ouvrages, à plein de connaissances, merci Internet, merci Google, etc. Mais le problème, c'est que lorsqu'on s'initie un peu dans ce milieu, c'est compliqué de trouver des ouvrages qui tiennent la route. Et puis le problème aussi, c'est que si vous tapez sur YouTube, si vous tapez sur Internet des reviews des livres que je vais vous montrer,
J'ai essayé. J'ai essayé et honnêtement, faut fouiller. Faut fouiller pour avoir certaines reviews, hein, et pas toutes, hein, et vraiment pas toutes. Hein. Et quand je dis review, je parle pas de montrer les livres, juste la personne va en parler, etc., etc. Et je trouve ça dommage. Pourquoi cacher ce genre de choses? Enfin, si ces livres ont été écrits, c'est pas pour rien, c'est pour qu'il y ait un certain savoir, pour qu'il y ait une certaine connaissance qui soit mise à notre disposition. Donc pourquoi cacher ces livres? Pourquoi les rendre tabous, etc. Je trouve ça vraiment absurde cette façon de procéder. Donc c'est pour ça que je me suis dit que, eh bien, j'allais mettre les pieds dans le plat, et tant pis, comme d'habitude, de toute façon, mais je serai le vilain petit canard qui va être, eh bien, à l'origine de vous montrer les livres pour moi, hein. J'ai fait une sélection de livres qui me semblent les plus pertinents lorsqu'on veut travailler pleinement la magie, la sorcellerie, et il en existe plein d'autres, mais vraiment, je vous ai sélectionné ceux qui, pour moi, sont les plus intéressants et les plus complets, surtout, hein, parce que des ouvrages de démonologie, des traités, etc., etc., vous pouvez en trouver plein, à foison, pour tous les prix, hein. Ça va de 5 euros à 5 000 euros, voire 5 millions d'euros, hein. Si on prend par exemple comment il s'appelle, le Deuteronomicon, le livre qui a inspiré le film La 9e Porte avec Johnny Depp. Si vous ne le connaissez pas, ce film, je vous invite à le voir, il est fabuleux, vraiment, c'est un super film. Et donc par exemple, si vous prenez le Deuteronomicon, il est qu'en quelques exemplaires dans le monde et les prix sont faramineux, puisqu'on dit de ce livre que ce serait Satan en personne qui aurait écrit ce livre. Voilà. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de folklore autour derrière tout ça. Enfin, à voir, à voir. Hein. De toute façon, il y a certains ouvrages, on n'aura jamais vraiment les réponses. Hein. Vous allez voir, je vais vous en présenter un aussi qui a un sujet à controverse. Certains croient en son existence, d'autres n'y croient pas. Moi, je fais partie de ces gens qui, ben, je suis entre les deux. J'ai envie d'y croire et puis je pense qu'il y a une partie un peu trop marketing qui fait que ça décrédibilise cet ouvrage. Mais bon, je vous fais pas patienter plus, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, comme je vous l'ai dit, quand on veut avoir une bonne pratique spirituelle, c'est important de connaître les entités avec lesquelles on va travailler. Peu importe le panthéon que vous aimez, peut-être que vous êtes un sorcier ou une sorcière qui aime, comme moi, l'univers plutôt européen, médiéval, vraiment la sorcellerie classique, vous savez, la sorcière autour de son chaudron qui balance des trucs un peu dégueulasses dans son chaudron, etc., qui psalmodie, qui va faire son sabbat, qui voilà. Ça, c'est vraiment. Si vous avez ce cliché-là de la sorcière, alors vous êtes plutôt dans le mouvement européen, celtique, plus ou moins druidique, hein, malgré que les druides c'est un ordre encore particulier, c'est encore autre chose, mais c'est pour vulgariser, hein, pour que vous puissiez vous représenter. En gros, voilà, vous vous situez dans cette zone géographique-là. Si par contre vous êtes un fervent chrétien, plutôt catholique de base, même ça peut fonctionner aussi avec un protestant et un orthodoxe, mais c'est vrai que c'est quand même plus un mouvement catholique. Si vous êtes un fervent chrétien qui va à l'église régulièrement, qui prie Dieu, mais qui traficouille un petit peu des petites choses par-ci par-là, hein, qui des petites bougies, des petits machins, qui psalmodie des petits trucs, etc., etc., eh bien vous seriez plus du coup dans la tendance voodoo ou houdou, hein. Il y a une différence entre le voodoo et le houdou. Le houdou, c'est une magie essentiellement positive, une magie de maison qui va servir vraiment à aider les autres. Le voodoo, je vous fais pas de clichés, hein, mais je pense que vous avez tous l'image de la poupée avec les épingles. Bon, ça c'est un très gros cliché parce que la poupée, il faut savoir que c'est un accessoire qui est utilisé dans beaucoup, beaucoup de magie, beaucoup de cultures. Même dans l'Égypte antique, on utilisait des effigies pour représenter les personnes. C'est pas du tout typique du vaudou, au contraire, c'est même un énorme cliché, j'ai envie de dire. Hein, parce que même dans la magie traditionnelle, la magie classique, on utilise aussi des poupées, que ce soit pour les guérisons ou autre. Hein. Vous prenez par exemple, bah, tiens, les poupées soucis. Les poupées soucis, c'est originaire d'Amérique latine à la base. Hein. C'est pas du vaudou, ça n'a rien à voir. Et pourtant, les poupées soucis, elles vont avoir aussi un rôle comme ça.
Bon, donc si vous êtes plutôt chrétien mais que vous pratiquez des choses en lien avec l'ésotérisme, alors vous évoluez plus dans une magie type voodoo. Si vous êtes, je vais pas toutes les définir parce qu'il y en a énormément, hein, mais vous avez aussi la magie égyptienne. Alors la magie égyptienne, aujourd'hui on arrive à mieux la pratiquer parce qu'il commence à sortir des ouvrages. D'ailleurs je vous ai prévu une vidéo sur les ouvrages pour pratiquer la magie égyptienne ainsi que le panthéon égyptien sur les dieux. Donc voilà. Si vous voulez pratiquer la magie égyptienne, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. Par contre, si vous voulez pratiquer certaines formes de magie et autres, comme par exemple la magie romaine, tout ce qui est associé au culte de Diane, etc., c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont perdues avec le temps. Regardez, ne serait-ce que les runes, hein, avec le futhark, c'était à la base l'alphabet futhark, hein, qu'on utilise aujourd'hui comme les runes divinatoires. C'était quelque chose, c'était un enseignement qui était transmis oralement. Il n'y a pas d'écrit véritable dessus. On a deux ou trois textes de référence, mais qui datent, qui sont un petit peu plus, un peu plus récents par rapport à la période, entre guillemets, viking. J'appelle la période viking parce qu'il faut savoir que les vikings ne s'appelaient pas vikings et ils ne se faisaient pas non plus appeler vikings, qu'on soit d'accord. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre de quoi je vous parle. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la magie, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, il y a des choses qu'on a perdues, il y a des connaissances aussi qu'on a perdues et donc ça devient un petit peu compliqué tout ça de pouvoir véritablement travailler. Donc, si vous êtes branché par, peu importe le panthéon, peu importe votre magie, mais vous voulez avoir un livre qui va pouvoir vous fournir des informations sur tous les types de dieux, de déesses et de démons qui sont répertoriés à travers le monde et à travers les cultures étrangères, il y a un livre que je vous recommande, c'est celui-ci. Il s'agit de « Dieux, déesses et démons, le dictionnaire universel ». C'est un gros pavé, comme vous pouvez le voir. C'est de Patrick Jean-Baptiste aux éditions Seuil, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et ce livre, je le trouve vraiment bien fait dans le sens où effectivement il s'agit d'un vrai dictionnaire où vous allez retrouver quasiment tous les dieux, tous les démons, toutes les déesses, bref, tout ce qui est divinité, déité, etc., appartenant à peu près à n'importe quelle période, à n'importe quelle culture, à n'importe quel continent, vous allez pouvoir le trouver. Et franchement, je trouve que c'est une mine d'informations qui est incroyable. Alors, c'est vraiment un dictionnaire, hein, donc c'est-à-dire que c'est classé par ordre alphabétique. Donc bien sûr, si vous ne connaissez pas certains dieux ou divinités, bah, il va falloir que vous farfouinez comme ça et que vous lisiez un petit peu. Si au contraire, vous voyez, j'ai ouvert une page, on est en Égypte. On est en Égypte avec Matouhotep. Par contre, si vous connaissez la divinité en question que vous voulez appeler ou avec laquelle vous voulez travailler, là, vous connaissez son nom, du coup, vous allez pouvoir vous rendre directement dans le paragraphe qui lui est dédié. Je trouve vraiment, c'est un livre à avoir impérativement. Il est un petit peu cher. Il fait 45 €. Enfin, en tout cas, le prix est affiché à 45 €. Donc, si vous le trouvez, je crois qu'on le trouve quand même assez facilement. Attention, il y a deux types de reliure. Il y a la reliure souple, comme moi j'ai, qui est à 45 €. Et vous avez la version rigide, qui est beaucoup plus chère. Il me semble qu'elle est à 250 ou 300 €. Donc, si vous voyez ce prix-là, c'est que vous êtes sur la reliure rigide, sur la version un peu mieux, j'ai envie de dire. Donc, dirigez-vous plutôt vers cette version-là, ça suffit très bien, on s'en fout de la couverture, ce qui est important c'est le contenu, hein, c'est pas le contenant, qu'on soit bien d'accord. Donc celui-ci, je le trouve vraiment très intéressant, comme je l'ai dit, c'est un dictionnaire, et comme dit dictionnaire, eh bien vous allez vraiment tout retrouver, pour pouvoir travailler avec. Ce que j'apprécie beaucoup de la part de l'auteur, c'est qu'il a fait un vrai travail de recherche, c'est-à-dire qu'il a réussi, ça a dû lui prendre un temps faramineux, j'ose même pas imaginer le temps qu'il a dû passer dessus, parce que c'est un travail colossal. Il a rassemblé absolument tout ce qui peut se faire à travers les cultures, à travers les époques, pour tout rassembler dans un livre unique. Franchement, c'est moi, ça m'a épaté. C'est pour ça que ce dictionnaire, quand j'étais tombé dessus par hasard en plus, quand j'étais tombé dessus, je me suis dit, ah mais lui, je réfléchis pas, il me le faut, c'est sûr et certain. Et lui, effectivement, il figure du coup dans ma top liste. On continue avec les dictionnaires, avec un livre qui est pour certains assez connu puisque c'est effectivement un livre de référence et c'est pas pour rien que c'est un livre de référence. Il s'agit, alors écoutez-moi bien, je vais
Avant que je vous montre le livre, je vais vous lire le titre complet du livre. Il s'agit du Dictionnaire Infernal, le répertoire universel des êtres, des personnages, des livres, des faits et des choses qui tiennent aux esprits, aux démons, aux sorciers, au commerce de l'enfer, aux divinations, aux maléfices, à la cabale et aux autres sciences occultes, aux prodiges. Oui, c'est le titre complet. C'est le titre complet. Donc lui aussi, c'est quand même un bon bébé, hein, qui est assez épais. Celui-ci, vous pouvez le trouver assez facilement aussi. Surtout, ne vous inquiétez pas. Regardez, je vous montre. Puisque on a l'impression que... J'adore la couverture parce qu'on a l'impression qu'il est déchiré comme ça. En fait, vous avez une partie qui est écrite en anglais. Puisque à la base, c'est un dictionnaire anglais qui a été ensuite traduit. Donc surtout ne vous inquiétez pas si jamais vous voyez que la couverture est en anglaise, puisque comme vous pouvez le voir, le titre est bien français, la description est bien française, mais le derrière, voilà, le derrière est écrit en anglais. Donc surtout ne vous inquiétez pas, le livre n'est pas en anglais, il est bien en français, mais voilà, si jamais vous l'aviez vu passer, mais vous avez vu que c'était pas écrit en français sur la couverture, non, je vous rassure, c'est tout bien écrit en français. Donc ce livre, de quoi il va parler? Eh bien j'ai envie de vous dire que celui-ci, honnêtement, d'ailleurs je les avais mis ensemble, va très bien compléter le dictionnaire des dieux, déesses et démons. Pourquoi? Parce que celui-ci va vraiment plus s'orienter vers tout ce qui est occulte. Et comme son nom l'indique, hein, je pense que le nom est bien exhaustif, il va effectivement traiter de tout, que ce soit les démons, la sorcellerie, la cabale, etc., etc. Tout ce qui est milieu ésotérique. Pareil, vous allez pouvoir retrouver les textes de référence. Je le trouve aussi super bien fait. Alors par contre, attention pour ceux qui ont des problèmes de vue, parce que c'est écrit vraiment très petit. Regardez, je vous montre l'intérieur, c'est vraiment écrit très petit. Donc je pense qu'il va falloir sortir les lunettes, voir la loupe. Mais en revanche, il est fabuleux dans le sens où, pareil, donc c'est à nouveau un dictionnaire. Mais c'est un dictionnaire qui... vous voyez, par exemple, là, j'ai ouvert une page et je tombe sur Mandragore. Mais Mandragore, pas la plante. On parle du démon familier assez débonnaire. Il apparaissait sous la figure de petits hommes sans barbe, avec les cheveux épars, etc., etc. Pour faire simple, ce livre, ça sera un peu le grimoire des sœurs Halliwell. Vous savez, quand elles vont chercher leur information dedans pour savoir quel démon c'est, de quoi on parle, qui c'est, etc., etc. Eh bien, voilà, ça serait ce livre qui serait, en gros, l'analogue réel du grimoire Halliwell. Puisque vous allez effectivement tout retrouver dedans, mais ça va vraiment de tout. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, ben, je viens d'ouvrir une autre page, je viens de tomber sur le mot hantise. Voilà, hantise, et ça va vous donner la définition de ce que c'est l'hantise, par exemple. Mais vous allez vraiment tout avoir. Il est, je le trouve vraiment très très bien. Celui-ci, comme base de votre culture ésotérique, honnêtement, vous ferez pas mieux. Si vous, alors, je vous invite pas à le connaître par cœur, ce livre, parce qu'il y a quand même, attendez, je vais vous faire rêver. Il y a quand même plus de 700 pages, hein, voilà. Donc, je vous invite pas à le connaître par cœur, mais clairement, si vous avez ça comme base de travail, c'est déjà très bien. Honnêtement, s'il y avait peut-être, je sais pas, c'est difficile à dire. Parce que je vois déjà les commentaires arriver qui me diraient « Jonathan, si tu n'avais qu'un seul livre à nous recommander, ce serait lequel ?» Eh ben, entre lui et lui, mon cœur vacille, honnêtement. Parce que comme je vous l'ai dit, les deux se complètent en fait. Lui va vraiment parler des dieux, des déesses et des divinités, exclusivement. Que lui va vraiment parler de tout, mais vraiment dans le cadre occulte et ésotérique. Donc honnêtement, il faudrait les deux en fait. Si vous voulez juste avoir deux livres avec lesquels travailler votre culture ésotérique, voilà, ces deux livres à la rigueur suffiraient. Maintenant, pour ceux qui sont plus branchés démonologie. Alors, ce que vous en faites avec, je m'en contrefiche, vraiment. Hein. C'est-à-dire que si vous sacrifiez des chèvres dans des cimetières, c'est votre problème. Mais sachez qu'il y a des choses qui sont un petit peu illégales et qu'en plus, vous êtes loin, très très loin même de la réalité. Puisqu'on va évoquer le sujet du satanisme. Et vous allez voir que vous allez être très déçus. Mais alors vraiment, je vais d'une part abattre tous les clichés que vous pouvez avoir. Mais en plus, vous allez être déçu quand vous allez apprendre que c'est ça en fait le satanisme. Vous allez vous dire, ah mais c'est ça, mais c'est nul en fait. Non, c'est pas que c'est nul, mais vous allez comprendre, je vais vous en parler après. Donc là on va parler un petit peu de démonologie. Où trouver de vrais bons ouvrages qui vont traiter de démonologie?
Alors, la démonologie, c'est très important de la connaître, surtout quand on pratique la magie, qu'on pratique la sorcellerie, la cartomancie, le spiritisme, parce que on peut être amené à trouver ou retrouver des démons, parfois on peut même être amené à voir des démons qui s'invitent dans nos rituels ou dans nos séances. Alors déjà, je vais mettre au point quelque chose qui est très important pour moi de vous le dire, que ce soit démons ou anges, vous ne commandez ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous faites des rituels, vous allez inviter l'entité en tant qu'ami, en tant que participant de votre rituel, mais vous n'êtes pas là avec votre baguette ou autre, je te somme de venir, je t'ordonne par mon pouvoir. Non, alors déjà, vous n'êtes rien ni personne, hein, très clairement, que ce soit autant pour un ange que pour un démon, vous n'êtes rien. Vous êtes une fourmi qui pourrait écraser avec son petit doigt, hein. Donc, vous ne commandez rien ni personne, vous n'ordonnez rien à personne non plus. Voilà, au contraire, vraiment, vous êtes humble, vous êtes dans cette humilité. Attention, pas dans la soumission non plus, hein, faut pas non plus s'abaisser plus bas que terre. Mais on est humble, on est conscient de qui on est conscient de ne pas être grand-chose. Et justement, c'est parce qu'on n'est pas grand-chose qu'on a besoin de les solliciter, qu'on a besoin de leur aide pour qu'ils puissent venir nous assister dans notre tâche, dans notre démarche pour réaliser notre rituel, hein. Donc c'est pour ça c'est quelque chose auquel je tiens vraiment à préciser, que vous travaillez avec les anges ou les démons ou les deux. D'ailleurs, ce que je vous invite plus à faire, c'est de travailler avec les deux, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est avec les deux. C'est vraiment, vous êtes là dans l'invitation, dans le respect, dans la communion et pas dans le « je t'ordonne », hein. Non, ça jamais, vous n'ordonnez rien à personne, que ce soit même les éléments, les éléments c'est encore pire, parce que les élémentaux, faut savoir qu'ils sont assez susceptibles, hein. Ils sont de nature quand même assez instable et susceptible, et pareil, si vous commandez aux élémentaux, vous allez avoir 2-3 soucis, mais vous verrez, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que jouer avec le feu, ça brûle. Donc, du coup, là aussi, la démonologie, on entend tout et surtout n'importe quoi, donc comment s'y retrouver dans tout ce n'importe quoi. Je vais prendre deux exemples très concrets. Les deux belles femmes là qui sont chacune de mon côté là, celle-là et celle-ci là. Ces deux-là, là aussi vous n'avez pas à en avoir peur puisque ils n'existent pas. Ou en tout cas, pas dans ces formes-là. Si je prends par exemple Valak, ce n'est pas du tout une bonne sœur effrayante à la gueule enfarinée, hein, clairement pas, puisque Valak au contraire est représenté comme étant un petit enfant, un petit chérubin, à qui vous donneriez le bon Dieu sans confession, que vous feriez rentrer dans votre maison sans aucun problème et à qui vous donneriez même des bonbons avec plaisir. Voilà, ça faisait un petit peu gros pervers ce que je viens de dire là. Mais bref, vous m'avez compris. Donc c'est pour ça que avoir peur de la nonne, non, mais en fait, vous ne risquez rien parce que c'est vraiment une figure hollywoodienne qui a été inventée de toutes pièces pour les films Conjuring. Ce n'est pas un vrai démon, hein. Valak n'a pas du tout cette tête-là. D'ailleurs, allez voir, tapez sur internet, vous pouvez trouver facilement. Vous tapez Valak ou Volak même et vous verrez qu'il s'agit d'un petit chérubin tout gentil, tout mignon, hein, tout bien potelé, tout voilà. Avec un animal de compagnie qui lui est fort sympathique aussi, voilà. Et pareil pour Annabelle, elle n'a pas du tout non plus cette tête-là, la vraie Annabelle, hein, elle n'a pas non plus cette tête-là. Pour ceux qui connaissent les vrais dossiers Warren, la poupée Annabelle, c'est une poupée qui s'appelle... comment s'appelle cette marque, vous savez, ces poupées de chiffon, là, avec les cheveux rouges... Ah bah plus de la nom de la marque. Bref, donc pareil, Annabelle, elle a été créée de toutes pièces pour les films Conjuring parce que c'est Hollywood et parce qu'il faut des trucs qui frappent, qui font peur, qui sont emblématiques, qui vont pouvoir faire du marketing après et que des crétins vont acheter derrière parce qu'ils sont fans de la licence. Voilà. Donc pareil, vous n'avez ni à avoir peur d'Annabelle ni de Valak parce que les deux ne ressemblent absolument pas à ça. D'ailleurs, à l'heure actuelle, le démon qui est rattaché à Annabelle, on ne sait pas vraiment qui c'est en fait. On sait pas, puisqu'on n'arrive pas à l'identifier, il s'est pas vraiment présenté non plus. On a plus ou moins des suppositions, mais on ne sait pas franchement en fait quel démon est véritablement rattaché à Annabelle. Moi, j'ai une petite idée, je pense qu'il s'agirait de Bélial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Annabelle, le culte d'Annabelle est rattaché à l'ordre du Bélier, à la secte du Bélier. Et donc qui dit Bélier dit Bélial. Vous voyez, donc pour moi, je pense que ça serait Bélial, mais on n'est pas tous d'accord là-dessus. Donc bon. J'irai pas papoter avec elle dans le musée, hein, pour savoir qui elle est. Quoique,
Je suis assez perché pour aller le faire. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo exclusive où je pars aux États-Unis au musée Warren et où je vous montre la vraie poupée Annabelle avec qui je discute? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et là, bien sûr, vous allez dire oui, je sais, vous allez dire oui. Non, blague à part, c'est vrai que visiter le musée Warren, c'est quelque chose qui m'intriguerait. Enfin, qui me changerait pas beaucoup, parce que quand on voit la tête de mon cabinet, je pense que ça doit être kiff kiff bourrico là-bas. Donc, hein, ouais. Bon bref, on s'écarte du sujet, on revient à nos moutons. Donc je vous disais, où trouver de vrais bons ouvrages qui vont traiter de démonologie? Parce que la démonologie, il en existe une multitude de livres, des livres qui sont pas toujours très exhaustifs, des livres qui tombent dans les clichés les plus vulgaires et les plus sordides. Bref, c'est vraiment compliqué de trouver de vrais traités, de vrais livres où on va pouvoir trouver vraiment les références de différents démons et surtout tous les trouver parce que là aussi, les démons, tout le monde n'est pas d'accord, parce que les démons, vous avez des textes de référence, comme par exemple tout ce qui est les textes sumériens, babyloniens, etc., où on va retrouver déjà certaines traces de démons, comme par exemple Lilith, hein, on va retrouver Lilith dedans, et puis ensuite l'église s'y est mêlée, a rajouté ses propres trucs, sauf que l'église, elle s'est aussi inspirée de certaines entités qui à la base étaient des dieux, et puis ils en ont fait des démons, hein, si je prends par exemple Cernunnos, le dieu Pan qui est un satyre en fait, hein, c'est même pas un dieu à la base, enfin Cernunnos oui, mais si je prends par exemple Pan de base ce n'est pas forcément une divinité, c'est juste un satyre, hein, celui qui a les pieds de bouc avec les cornes qui joue de la flûte, c'est juste un satyre, un protecteur de la nature et en fait l'église a pris cette image là de Pan pour en faire notre Lucifer adoré, hein, voilà. Donc pour vous dire que même les démons ils sont empreints de clichés et que voilà, aujourd'hui c'est tout et c'est surtout n'importe quoi en fait. Donc c'est pour ça que où trouver vraiment des textes, des choses qui tiennent la route, des choses dans lesquelles on peut vraiment puiser nos informations et surtout bah, où on prend pas trop de risques parce que si on est amené à travailler avec certaines entités, si on se plante un petit peu d'entité et qu'on en appelle une autre à la place d'une autre, bon, ça peut créer certaines problématiques, hein, voilà. Donc, où trouver déjà des textes de référence? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous citer parmi... est-ce que je commence par celui-ci ou celui-ci? J'ai bien envie de vous citer peut-être celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est responsable de milliers, de centaines de milliers de morts. Non, c'est pas la Bible. Mais ça aurait pu. Mais c'est de la même famille en fait. Il s'agit du Maleus Maleficarum, c'est-à-dire le marteau des sorcières. C'est un livre qui a été créé par la Sainte Inquisition. Et dans ce livre, en fait, c'est le manuel de l'inquisiteur, c'est-à-dire comment traquer, débusquer et reconnaître une sorcière, et bien sûr avec toutes les méthodes de façon illustrée, fort sympathique, de façon très friendly, comment après ensuite punir la sorcière, la torturer, les outils utilisés, etc., etc. Donc si par exemple vous manquez un petit peu de créativité sur comment vous allez pouvoir torturer votre voisine qui s'entête à mettre ses poubelles dans la vôtre et qu'elle commence à vous gaver, ça fait 15 ans que ça dure, je vous invite à investir dans ce livre, vous allez trouver différentes méthodes, mais qui sont toutes plus originales les unes que les autres pour torturer un être humain. Bon, blague à part. Au-delà, non, sérieusement, il y a vraiment les méthodes de torture, hein, c'est-à-dire que le Maleus Maleficarum, c'est vraiment un livre qui a été créé par l'Église, qui a été créé par l'Inquisition, et qui était vraiment le manuel de l'Inquisiteur sur, comme je vous l'ai dit, débusquer, traquer, reconnaître une sorcière, comment la torturer, etc., etc., etc. Sauf que ce livre, en fait... comment vous expliquer? Je trouve que c'est une mine d'informations dans le sens où il y a... À la fois, ça parle de démons à l'intérieur. Il y a plusieurs traités de démonologie, il y a plusieurs textes en fait qui parlent de différents démons qui nous permettent de pouvoir les identifier, de pouvoir les reconnaître. Et je trouve que dans ce livre qui est vraiment très glauque, pour le coup de tous les livres que j'ai, celui qui me rend le plus mal à l'aise, c'est celui-ci parce que je sais que derrière ce livre, il y a des dizaines de personnes qui ont perdu la vie au nom d'une idéologie complètement idiote, il n'y a pas d'autre mot, au nom de la folie de l'homme et qui ont été accusés
accusé injustement. Et quand on lit un petit peu les tortures qu'il peut y avoir dans le livre, pour moi, en fait, je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse infliger ça à un être humain. Il y a des personnes sur Terre que, c'est pas que je les déteste, mais franchement, je m'en passerais volontiers. Mais jamais ça me viendrait à l'idée de ne serait-ce réaliser qu'un de ces trucs qui est écrit dans le livre. Franchement, il faut, mais c'est même plus de la haine à ce stade qu'il faut avoir pour quelqu'un, c'est... Je sais pas, faut être habité, pour le coup, faut être habité par le mal pour faire ça. Faut pas, parce que je suis désolé, mais quand on parle de religion... On parle d'un Dieu d'amour, miséricordieux, qui pardonne, plein de lumière, de grâce, de bonté, etc. Ouais, et ben quand on lit ce livre, il y a pas une once de pardon là-dedans. Hein. Au contraire, on est dans la condamnation, dans la souffrance, dans le mal, le mal absolu. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour épiloguer sur l'Église, mais il y a quand même des choses à dire. Faut aussi reconnaître certaines choses. Donc ce livre, qui est au prix de, je sais même plus combien je l'avais payé, 35 euros. J'ai envie de vous dire, c'est pas cher, hein, 35 euros pour ça. Voir comment vous transformer en Jigsaw. Donc, ce livre, de quoi est-ce qu'il va traiter? Donc, comme je vous l'ai dit, on va avoir toute une partie sur comment débusquer une sorcière, mais ça va de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire un grain de beauté qui a une forme un peu bizarre, c'est la marque du diable, un machin, honnêtement, on va dire, sur le début du livre, il y a 95% de conneries, hein, enfin, de conneries. C'est marrant à lire parce que, enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant quand on sait de quoi le livre traite. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, alors, à titre comparatif, quand on prend par exemple Mein Kampf, le livre, hein, vous savez, qui lui est un vrai livre tabou, ça par contre c'est pas tabou. Et bah, honnêtement, ça quand même, c'est nettement pire que ce que Hitler a fait. Je dis ça, je dis rien quand même. Hein. Bon. Bref. Donc, comme je l'ai dit, au début, on va vraiment retrouver toute l'histoire de l'Inquisition, etc., etc., etc. Et puis, par contre, on va retrouver dedans des informations sur les différents démons, etc., et des choses qui peuvent être un petit peu plus intéressantes, puisque du coup, c'est des informations qui proviennent de l'Église. Donc, on sait que l'Église a des textes un petit peu plus poussés que d'autres personnes. Et par conséquent, c'est un livre qui est intéressant à posséder. Honnêtement, le Maleus Maleficarum, c'est pour toutes les sorcières, ne serait-ce que par solidarité envers nos sœurs et frères sorciers et sorcières, par tout ce qu'ils ont vécu, juste par solidarité, le fait d'en avoir un, je trouve que c'est un geste fort, en fait, puisque nous-mêmes, on ferait partie de ces personnes qui seraient dans le bouquin, qu'on torturerait. Et le fait d'en avoir un exemplaire, je trouve que c'est un message fort qu'on envoie, comme si, vous voyez, on avait inversé la vapeur, c'est-à-dire c'est nous qui avons pris le pouvoir, c'est nous qui avons pris le contrôle, et aujourd'hui nous sommes devenus des individus libres de pratiquer nos croyances, d'avoir nos propres convictions et de ne plus être soumis à ça, voyez. Donc voilà. Bon, je vous invite à le découvrir, c'est un livre intéressant, comme je l'ai dit, c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque, clairement. Ensuite, on va parler, non, ce... je sais pas. Non, on va parler de celui-ci parce que celui-ci, il est, je crois que c'est le livre qui a le plus de clichés au monde. Si je vous dis H.P. Lovecraft, si je vous dis Cthulhu, ça vous parle tout ça, hein? Eh bien, nous allons parler du Necronomicon, le fameux livre des non-morts. Attention, pas les noms N-O-N, hein, de oui, non. Les noms N-O-M-S, comme le nom de famille, le nom de quelqu'un, nominatif, hein, donc les livres des non-morts. Alors, le Necronomicon, de quoi parle ce livre? Comme vous pouvez le voir, déjà, c'est un beau bébé qui a, je sais plus combien de pages, c'est monstrueux, je crois qu'on est presque à 1000 pages. Ouais, voilà, on est à 880, ouais, donc on est à presque 1000, hein, voilà, c'est un bébé qui est absolument énorme. Vous pouvez encore le trouver, le Necronomicon, mais je crois que la version que vous pouvez trouver, c'est la version de Simon, si je dis pas de bêtises. La couverture est marron avec le pentagramme du Necronomicon, et je crois qu'il a une quarantaine d'euros environ.
Alors moi celui-ci c'est pas la version de Simon que j'ai. Il est assez vieux d'ailleurs puisque je m'étais amusé à faire la couverture du livre. Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'était ma première reliure de cuir avant même mon livre des ombres. Hein. C'était ma toute première. J'étais adolescent. Donc soyez indulgents. Le livre hein, il est un petit peu vieilli en plus, mais je trouve quand même qu'il tient encore un petit peu la route. Hein. Il fait encore un petit peu peur. Et alors le Necronomicon, de quoi ça va parler? Alors le Necronomicon, déjà il y a tout un mythe, il y a tout un folklore sur ce livre, c'est-à-dire que ça serait un arabe dément. D'ailleurs on l'appelle comme ça, hein, l'arabe dément, l'arabe fou. Je me rappelle plus de son nom, c'est un nom imprononçable. Qui en fait avait des visions, qui était connecté avec un monde extraordinaire, avec des chimères extraordinaires, avec des espèces de démons plus enfin voilà, vraiment si vous connaissez l'univers de Lovecraft, vous savez à quoi je fais référence parce que c'est très compliqué de déterminer l'univers de Lovecraft. Il faut que, si vous ne connaissez pas Lovecraft, vraiment, je vous invite à aller sur internet, sur YouTube, sur n'importe quoi, pour vous plonger dans cet univers qui est très particulier, vraiment. J'adore Lovecraft. Je suis un fan incontesté de l'univers lovecraftien. J'adore cette ambiance lourde, poisseuse, angoissante, pleine de mystère, d'occultisme. C'est vraiment une ambiance qui est très particulière, puisque très souvent Lovecraft, on le situe début du siècle. Donc tout ce qui est époque fin 1800 jusqu'à 1920-30. 40 maxi, on est vraiment sur le début du siècle, et on est toujours dans des plongées, dans des villes, souvent des villes côtières, des villages de pêcheurs, etc. Puisque Cthulhu, on a beaucoup de créatures fantasmagoriques qui sont issues un peu du folklore des océans. Beaucoup de créatures proviennent justement des océans. Si on prend par exemple Cthulhu, Cthulhu vit dans une cité dans l'océan Pacifique. Voilà, il y a beaucoup comme ça. C'est beaucoup emprunt en fait avec cette ambiance-là. Et c'est vraiment, je vous invite. J'ai pas vraiment de film de référence parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux vidéo, d'œuvres de littérature, des jeux de société, des films, des séries. Beaucoup sont inspirés. Si je dis par exemple Arkham, hein, pour ceux qui sont fans des Marvel ou comics, je vais me faire incendier parce que je sais jamais, je mélange entre Marvel et comics, je sais jamais si Batman est comics ou Marvel, DC Comics ou Marvel, peut-être les deux aujourd'hui, j'en sais rien, bref, on va pas épiloguer. Et par exemple, dans l'univers de Batman, à Gotham City, l'asile où sont enfermés les psychopathes les plus dangereux s'appelle Arkham, justement. Et il y a plein de références, mais partout, Lovecraft, je suis sûr que vous en avez au moins vu une fois dans votre vie, quoi. Si vous avez le Necronomicon, vous en avez forcément entendu parler au moins une fois, vous avez au moins vu quelque chose qui faisait référence au Necronomicon, hein, que ce soit une des créatures, que ce soit Cthulhu, ne serait-ce que Cthulhu, je veux dire, Cthulhu, il est quand même emblématique, quoi. Et donc l'univers lovecraftien, c'est vraiment un univers qui est à part, qui est très glauque, qui est très... on est dans la folie, mais dans la folie pure, vraiment dans le fait de perdre complètement la raison, d'avoir des visions, on ne sait plus ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, on est complètement torturé par des images, par des pensées, par des choses... C'est bien sûr empreint de magie noire, évidemment, d'occultisme, etc., puisqu'on va avoir des fidèles servants hein, de l'ordre de Cthulhu qui vont pratiquer, qu'on appelle les occultistes, qui vont pratiquer justement des rituels pour invoquer les grands anciens, hein, et pour ramener le chaos sur Terre, etc., etc. Bref, vraiment, Lovecraft, c'est vraiment un univers qui est à part entière. Et dans la mythologie lovecraftienne est apparu un livre qui, soi-disant, était le livre de référence, qui aurait été trouvé, etc., etc., et qui permettait en fait d'ouvrir plusieurs sceaux, plusieurs univers. Hein, y a 9 mondes, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, le film La Neuvième Porte, c'est un mélange à la fois. Alors, le livre qu'ils ont pris comme référence, c'est le Deuteromelanicon. Par contre, le rituel qui est fait dans le livre, enfin, dans tout le long du film, correspond plutôt au rituel des 9 portes du Necronomicon. Donc, ils ont fait un petit peu un mix des deux.
Et donc vous avez comme ça des rituels, ouais. Et dans ce livre, alors ce livre du coup, il est pourquoi il est sujet aux controverses? Parce qu'il y en a qui croient vraiment qu'on a retrouvé des pages manuscrites où il est écrit une langue étrange, etc., avec des rituels qu'on n'a pas su traduire, ou alors très grossièrement, voilà, voilà. Où on a retrouvé aussi des illustrations de bêtes, de démons, de créatures qui sont toutes aussi bizarres les unes que les autres. Voilà, bon, il y a l'école de ceux qui croient au Necronomicon, et puis il y a l'école de ceux qui pense que Lovecraft a inventé le Necronomicon de part entière. Alors moi honnêtement les amis, je sais pas, j'ai pas d'avis, j'ai vraiment pas d'avis. Pourquoi j'ai pas d'avis? Parce que Lovecraft c'est déjà une autre époque, et puis vous voyez bien déjà aujourd'hui tous les clichés qu'on peut faire, ne serait-ce qu'avec la triquetrale symbole de Charmed, ou la svastika, hein, voilà. Bref, donc je me dis que il y a certainement eu une base de faits véridiques. Par contre, après quoi en faire? Enfin, vous voyez comment ça s'est dérivé? Parce que tous les mythes sont basés sur des légendes et les légendes sont basées sur des faits. Mais voilà, c'est-à-dire que, je sais pas moi, vous allez avoir un gamin qui va tuer un lézard, et ben, 1000 ans après, ça va devenir Arthur qui a tué un dragon. Vous voyez? Donc est-ce que le Necronomicon existe? Je ne sais pas et je n'ai pas d'avis là-dessus. Il y a mon côté, on va dire, très cartésien et scientifique qui dirait que Lovecraft a créé de toutes pièces ce livre, mais il y a mon âme d'enfant qui a envie de croire qu'il existe ce livre extraordinaire quelque part, puisqu'en plus il y a tout un folklore sur ce livre, puisqu'on dit que, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette reliure, on dit en fait que le Necronomicon, sa reliure est faite de cuir humain, de peau humaine, et que sa couverture ressemble à un visage déformé qui est en train de souffrir comme ça. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. En plus surtout que ça existe, hein, des grimoires qui sont réalisés avec du cuir humain, de la peau humaine, ça existe pour de vrai, c'est pas le Necronomicon. Je vais pas encore citer l'église, mais faites exprès, c'est des ouvrages qui appartiennent à l'église, enfin que l'église détient aujourd'hui, bon bref. Mais voilà, donc oui, on va dire que sur la forme, ce livre pourrait exister. Par contre, sur le fond, à savoir est-ce que tout ce qui est écrit existe bel et bien, je ne sais pas, parce que en fait, le Necronomicon, il va se diviser. Alors, si vous aimez les romans vraiment incroyables, c'est le livre qu'il faut avoir, parce que honnêtement, quand même, le Necronomicon, là pour le coup, on peut pas faire plus Lovecraftien, hein, voilà, puisque c'est l'œuvre justement de Lovecraft. Donc, vous pouvez pas faire plus Lovecraftien. Si vous aimez tout ce qui est les textes qui vont vous plonger dans des aventures extraordinaires de créatures, de chimères, de choses, de sectes et compagnie, de manipulation, de magie noire, de tout ce que vous voulez, les trucs les plus crades et les plus horrifiques que l'être humain est capable de faire, le Necronomicon, c'est le livre qu'il vous faut. Donc vous allez avoir une partie en fait un petit peu roman, j'ai envie de dire. Alors ça se dit autobiographique, mais c'est quand même faut pas non plus bref, pas sortir non plus de Saint-Cyr pour comprendre que c'est pas vraiment une œuvre autobiographique, hein. Donc bon, c'est quand même intéressant à lire. Parce que ça traite quand même de plusieurs démons, hein, des démons qui existent, enfin qui existent, qui sont dans notre culture, comme par exemple vous avez Pazuzu dedans. Alors Pazuzu, est-ce qu'il y a encore besoin de présenter Pazuzu? Je veux dire, qui ne connaît pas Pazuzu, hein? Pazuzu, c'est le démon gardien, c'est le maître de l'air, du royaume de l'air, hein, et du point cardinal de l'Est. C'est celui qui protège le monde des démons, enfin, c'est celui qui est le gardien entre le monde des humains et le monde des démons. Et c'est surtout un démon qui est emblématique parce que c'est lui qui possède la petite Regan dans le film L'Exorciste. Voilà. Sauf que quand on connaît vraiment qui est Pazuzu, en fait, Pazuzu, c'est un démon qui est sympa, qui nous protège. Donc, je vois pas pourquoi ça serait lui qui viendrait posséder un être humain, alors que justement, c'est son rôle de faire en sorte que les humains... Bref. Voyez, c'est pour vous montrer à quel point quand même il peut y avoir des bêtises quand même assez énormes que les cinéastes, que Hollywood a pu vous inculquer, hein, parce qu'on dit l'église, mais il n'y a pas que l'église. Hollywood a beaucoup contribué à véhiculer des conneries assez monumentales quand même, hein. Bon, on revient sur
Le Necronomicon. Alors, donc vous avez une partie qui est plus ou moins autobiographique, qui est plus un roman science-fiction, pour moi, très clairement. Ensuite, vous avez une partie sortilège. Alors, bien sûr, des sortilèges liés aux anciens, aux grands anciens. Donc là, on parle pas de démons, de Lucifer, de... Non, non, on parle des grands anciens. Les grands anciens, pour vous vulgariser le truc, les grands anciens, en gros, ça serait... les dieux des dieux, voilà. Ça serait vraiment les dieux originels, des monstres incroyables. Certains vivent dans le cosmos, certains d'entre eux sont carrément des planètes, sont carrément des soleils en fait vivants. Ils ne se soucient même pas de l'être humain, ils savent même pas qu'il existe, voilà. Et Cthulhu en fait, dans le panthéon lovecraftien, ça serait un des enfants des dieux, des dieux fondateurs qui serait écrasé sur Terre. Enfin, alors il y a deux versions. À un coup, c'est il est venu s'écraser sur Terre lors d'une dispute, d'un conflit, machin et tout. Et puis un autre coup, en fait, il a été envoyé sur Terre et on lui a donné la Terre ainsi que les êtres humains comme cadeau. Sauf que ça vient justement en opposition puisqu'on nous dit que les dieux lovecraftiens ne savent même pas que l'être humain existe, hein, parce que eux, ils sont dans une espèce d'espace-temps qui est complètement différent du nôtre. Donc ils ne se soucient absolument pas de l'être humain, bref. Donc il y a plusieurs versions là-dessus. Voilà, donc vous allez avoir des rituels magiques pour invoquer les grands anciens. Vous allez retrouver tous les sigils qui puissent être rattachés justement à l'univers lovecraftien et aux grands anciens. Et enfin, vous allez avoir vraiment le Necronomicon dans le livre. C'est-à-dire que le Necronomicon, en fait, ils ont appelé le Necronomicon, mais c'est un abus de langage. En fait, vous avez plusieurs livres dans ce livre-là. C'est-à-dire que vous avez tout le passage de Simon qui fait référence à Aleister Crowley, etc., etc. Puis ensuite, on va retrouver, regardez, on va retrouver ici les sceaux avec les différentes portes, etc. On va retrouver aussi un bestiaire à l'intérieur. Alors là, soi-disant, ce sont les vraies images, les vraies photocopies du texte originel du Necronomicon, hein. Là, on va retrouver, voyez, les illustrations des monstres fantasmagoriques dont je vous parlais. Et vers l'autre partie, donc on va vraiment retrouver le vrai Necronomicon, avec bien sûr toutes les formules d'invocation, les psalmodies, les conjurations, dans la langue originelle. Est-ce que c'est Lovecraft qui a inventé cette langue, un peu comme Tolkien qui a inventé l'elfique? Je ne sais pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, moi, pour avoir fait plusieurs langues étrangères, ça ne me dit rien du tout comme langue, hein, très clairement, voilà. Et puis, on va retrouver bien sûr après, comme je l'ai dit, les différents sigils d'invocation. C'est un livre qui est... S'il a à voir, quoi. Le Necronomicon, juste pour tout ce qu'il représente, pour le cliché à lui-même qu'il représente, le Necronomicon, c'est un livre à avoir, tout simplement, en fait. Juste pour le plaisir de dire « J'ai le Necronomicon. Je vais invoquer Cthulhu. » Bon, je vous cache pas que... Ah oui, c'est vrai aussi que vous avez eu un... Comment ça s'appelle? Une espèce de... Une espèce d'éphéméride, là, de calendrier. Il s'arrête quand, d'ailleurs, ce calendrier? Ah, bah, il s'arrêtait en 2018. Ah, bah, oui, puisque selon... d'accord, on devait tous mourir à ce moment-là, le 31 décembre, voilà. Bon, bah, écoutez, on a déjà fait 3 ans de plus, hein, 2019, 2020, oui. On a déjà fait 3 ans de plus. Bon, bref. Donc, le Necronomicon, c'est un livre à avoir si vous aimez toute cette ambiance, si vous êtes fan de Lovecraft, et vous devez posséder un Necronomicon. Bon, alors, Necronomicon, je vous vois arriver, c'est rien, il s'agit de mon chaudron qui est tombé, hein, pas de panique. On va remettre ça en place. Donc, je vous vois déjà arriver avec votre question, le Necronomicon, est-ce que c'est un livre sérieux? Est-ce qu'on peut pratiquer avec? Alors, moi, honnêtement, je vous dirais que non. Je vous dirais que non. Pourquoi? Parce que, hormis Lovecraft, il n'y a pas de texte de référence par rapport aux grands anciens. C'est-à-dire que Cthulhu, etc. En fait, vraiment, Lovecraft, il a créé toute une mythologie, tout un univers qui a tellement pris une ampleur phénoménale au fur et à mesure des années que certains se sont convaincus que Cthulhu existait, que les démons associés au culte de Cthulhu existaient. Mais en fait, que nini, il n'y a pas vraiment, il n'y a aucun texte qui fait référence à un grand
grand ancien avec des tentacules qui vit au fond de l'océan, etc., etc., par Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. Voilà, bon. Donc non, concrètement, je vous dirais que c'est pas un livre de vraie pratique. Par contre, les rituels qui sont dedans peuvent être intéressants, effectivement. Surtout le rituel des 9 portes, en fait, il peut être intéressant pour accéder à certaines parties. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais si on prend par exemple comme référence la Divine Comédie de Dante, hein, qui nous parle des différents cercles de l'enfer, du coup le rituel des 9 portes peut être intéressant pour travailler avec les différents cercles de l'enfer. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ou en tout cas, ça peut au moins fournir une base de travail qu'ensuite on peut refaire un peu à notre sauce pour se faire quelque chose d'un petit peu plus complet et d'un petit peu plus réaliste. Pourquoi pas. Mais dans l'ensemble, pour moi, le Necronomicon, je vous l'ai présenté parce qu'il fait partie de ces livres très controversés et très sombres. Mais en soi, le Necronomicon, c'est pas un livre de sorcellerie, c'est pas un livre pratique, on va dire. Voilà. Ensuite, là, je vais vraiment vous parler de livres pratiques, des vraies références que j'aime beaucoup et qui, pour le coup, sont en gros la version plus dark, parce que faire plus dark que le Necronomicon, faut quand même y aller. Mais c'est la version plus... Plus réaliste du Necronomicon. Il y en a deux que j'aime beaucoup, qui sont vraiment des références pour moi. Le premier, c'est le Lemegeton. Alors, l'Emegeton, il n'est pas forcément facile à avoir, hein, parce que là, je, par exemple, le mien, c'est un exemplaire, c'est une amie qui me l'avait envoyé, qui a eu accès, et pour vous dire, j'ai le numéro, l'exemplaire 92 sur 100. Voilà, regardez. Je vous montre, hein, pas de bêtises, tirage limité 92 sur 100. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu 100 exemplaires de celui-ci et que j'ai le numéro 92. Donc c'est un livre qui n'est pas forcément facile à avoir. En revanche, les clavicules de Salomon, si, c'est un livre que vous pouvez assez facilement trouver. Sauf qu'aujourd'hui, il est... Alors vous avez la Goetia, le livre, la Goetia, et vous avez, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est les éditions d'Alliance Magique qui le proposent. Vous irez voir, c'est à vérifier comme information, mais il me semble que c'est une des branches d'Alliance Magique qui propose la Goetia. Alors, vous avez la Goetia, vous avez les clavicules de Salomon, vous avez la petite clé de Salomon, bref, Salomon, là aussi, c'est une figure emblématique de la Bible, où il est cité comme un roi assez modèle, hein, par rapport à Dieu, mais quand on sait, quand on sait tous les ouvrages ésotériques, démonologiques qu'il a pu sortir, le prendre comme exemple associé à Dieu, je trouve ça un peu moyen. Donc comme quoi l'Église, elle choisit bien quand même qui elle veut, hein, pour prendre en figure emblématique, hein, voilà. Parce que là, c'était le roi Salomon, ça aurait été une femme qui vivait au fin fond d'une forêt, c'était une sorcière, hein. Ouais. Bref, donc on va pas épiloguer là-dessus. Alors, le Lemegeton, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors ce livre, c'est vraiment... un puits d'informations intarissables, dans le sens où vous allez avoir tous les sigils d'invocation de démons. Vous savez que les sigils, c'est très important de travailler avec les sigils, hein. Je vous ferai un jour une vidéo complète sur les sigils, pour vous dire exactement. Mais il ne faut pas confondre pentacle et sigil, parce qu'effectivement, vous avez des pentagrammes qui sont associés à certains démons. Mais ces pentagrammes sont plus pour protéger. Et les sigils, c'est plus pour invoquer, voilà. Bon, mais là aussi, je vulgarise, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour vulgariser la chose. Et donc, dans le Lemegeton, vous allez retrouver, mais pas que, on va retrouver des descriptions de différents démons, tous les démons, vous voyez, par exemple, là, je vois les anges, des signes et leurs degrés. Donc là, on va aussi retrouver les anges. C'est vraiment un texte qui est très intéressant, parce qu'il faut savoir que beaucoup de démons, enfin, surtout ceux qui les plus connus, j'ai envie de dire, hein, si je prends, par exemple, Lucifer, Belzébuth, tout ça, je pense que là, dans votre tête, vous êtes en train de dire, ok, oui, mais Lucifer, Satan, Belzébuth, c'est le même, quoi, c'est le diable. Non. Là, justement, c'est là où vous tombez dans les clichés, c'est que Lucifer, c'est Lucifer, hein. Lucifer veut dire porteur de lumière, c'est lui l'ange déchu, Satan, c'est Satan, Belzébuth, c'est Belzébuth, Shétan, c'est Shétan, voilà, faut pas, c'est plusieurs entités différentes, hein, c'est pas la même, c'est pas le même, ça c'est vraiment très important. Et on peut retrouver ce type d'erreur aussi avec des personnages plus lumineux. Si je prends par exemple les différentes Maries dans la Bible, très souvent on pense que Marie de
Magdala, c'est la même que Marie-Madeleine, que les Saintes Marie qui sont arrivées, enfin que les Maries qui sont arrivées aux Saintes Marie, etc., etc. Non, il y a beaucoup, beaucoup d'amalgames, et c'est ça le problème, c'est quand on répète et répète et répète les choses et que ça finit par être déformé, et ben en fait on fait un amalgame de tout et de n'importe quoi. Donc non, il faut faire attention, hein. Donc, on va retrouver, comme je viens de vous le dire, donc différents anges, beaucoup de démons, énormément de démons, avec tous leurs sigils. Alors, j'ai pas envie de vous les montrer, parce que c'est un livre quand même qui est assez particulier, avec le... Faut pas faire n'importe quoi. Franchement, les Méguetons, si vous voulez travailler sérieusement avec... avec les démons et les anges, et que vous avez besoin d'un support avec les sigils, pour vraiment travailler avec ces entités... C'est le livre qu'il vous faut, parce que c'est vraiment un livre qui est très complet. Les clavicules de Salomon, c'est vraiment le livre de référence. Donc je ne peux que vous le conseiller, sincèrement. Mais attention, attention, parce qu'il existe aussi des versions beaucoup plus édulcorées, des versions où les auteurs se sont appropriés le propre texte des clavicules de Salomon, qu'ils l'ont un peu arrangé à leur sauce, et donc faut faire attention. Donc essayez de vous diriger au plus près du Léméguéton, et au mieux, au moins, de la Goétia, vraiment, vous essayez de chercher au plus près les clavicules de Salomon, hein, pour vous rapprocher au mieux. Après, bien sûr, il y en a d'autres, vous avez aussi le petit et le grand Albert, vous avez la poule noire, le dragon rouge, il en existe aussi beaucoup d'autres, des grimoires, mais je ne vais pas tous vous les présenter. Ça va faire une vidéo encore qui va durer 5 heures, donc c'est pas possible. Et ensuite, pour l'autre livre de référence, dans lequel, alors celui-ci, pour le coup, c'est vraiment un dictionnaire, mais uniquement sur les démons. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'identifier, bah, encore une fois, je vais revenir au grimoire de Charmed, si vous avez besoin, en fait, de trouver un démon de façon rapide, c'est celui-ci qu'il vous faut, le Pseudomonarchia Demonium. Donc il s'agit d'un livre qui est pas très cher, en plus il est à 21€ seulement. Vous pouvez le trouver encore très facilement, et à l'intérieur vous allez vraiment avoir tous les démons, par exemple, bah attendez, si je vous dis Andras, ah, c'est marrant, je tombe sur des démons justement qui sont dans Charmed, hein. Andras par exemple, Andras il est dans Charmed. Tiens, Barbas il est dans Charmed aussi. Shax, ça va, Shax, bah oui, Shax c'est celui qui tue, regardez, pour vous dire que je ne mens pas, hein, Shax. Shax, c'est celui qui tue Pou dans la saison 3. Donc oui, mais saviez-vous d'ailleurs que dans Charmed, les trois premières saisons de Charmed s'inspirent justement de la vraie Wicca traditionnelle, et que beaucoup des démons cités dans Charmed sont des vrais démons, hein, comme par exemple Abraxas, Barabbas, Shax, tout ça, ce sont des vrais démons. Faut le savoir. Donc c'est vraiment un livre qui est sympa, parce qu'on va avoir des rituels d'invocation, des méthodes, comment invoquer un démon, comment l'inviter dans un cercle, etc., etc., comment travailler avec lui. Vous allez bien sûr avoir les formules, hein, les rituels. Vous allez aussi avoir des rituels pour les anges, donc c'est pas un livre satanique spécialement, hein, puisqu'on va retrouver aussi des anges. Alors des anges qui sont un peu déchus, qui ont le cul entre deux chaises, mais quand même, on a quand même des anges. Et puis bien sûr, on a donc tous leurs sigils, ce qui est très pratique, parce que sachez-le, si vous voulez que votre rituel de magie soit efficace, il faut coupler votre magie avec des sigils. Ça sera beaucoup plus efficace, vous verrez. Mais je vous ferai une vidéo qui sera dédiée sur les sigils. Voilà, donc ça c'était pour les deux, j'ai envie de dire, les deux livres de référence en termes de démons. Après, il y en a un autre aussi qui est pas mal. J'y ai puisé des informations qui sont assez intéressantes. Honnêtement, il est pas mal. C'est une autrice en plus que vous connaissez, puisque c'est l'autrice de l'almanach des sorcières. Hein, vous savez, je pense que... Oui, c'est le gros format que j'ai... voilà, l'almanach des sorcières, vous le connaissez. Même celui-ci, en fait, je pourrais aussi vous le présenter, parce que donc il s'agit de Catherine Queneau pour les deux. Et l'almanach de la sorcière, enfin des sorcières, c'est un livre que je trouve
Il représente bien la vraie sorcellerie. À savoir que la vraie sorcellerie, on travaille pas spécialement avec les anges, on travaille pas spécialement avec les démons, on travaille avec les entités en fonction des besoins, des demandes, des situations, de ce qu'il faut faire, etc., etc. Et pour le coup, pourquoi j'aime beaucoup l'œuvre de Catherine Queneau? Parce que je trouve qu'elle a bien retranscrit cette idée de d'ambivalence, de polarité, de qu'une sorcière, voilà, c'est quelqu'un qui avant tout n'est ni bonne, ni mauvaise, ni gentille ni méchante, qui sait être les deux et qui utilise les deux en fonction du besoin, en fonction de ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut pas se mentir, les amis, mais là aussi j'ai prévu de vous faire une vidéo sur comment travailler sa part sombre. C'est très important de travailler sa part sombre. Pourquoi ? Parce que dans la part sombre, en fait, de chaque humain, c'est là où sont logées nos peurs, nos fantasmes, nos envies, etc., etc. Toutes les choses qu'on n'ose pas s'avouer, ou qu'on n'ose pas avouer, ou qu'on cultive dans notre jardin secret. Hein, par exemple, quelqu'un qui aimerait bien un peu les films coquins, mais qui devant tout le monde, « Ah non, moi, les films coquins, j'en ai jamais vu de ma vie !» Gros hypocrite, mytho, mytho. Voilà. Bon, eh ben, toutes ces choses-là, on a tous un petit jardin secret, et puis devant les autres, on joue un peu les « Ah non, moi, moi, je suis plein de vertus. » Non. Bon, alors déjà, les personnes qui se présentent comme étant pleines de vertus, voilà, bon, bref. Au contraire, moi, je préfère quelqu'un qui va montrer sa vraie personnalité, à savoir qu'il est quelqu'un, une personne écorchée, qui a des vices, qui les assume, qui... Parce qu'au contraire, le fait d'assumer, c'est important dans le sens où déjà, vous reconnaissez que vous êtes un être humain, que vous êtes faible aussi, que vous êtes fait de chair, hein, nous sommes tous faits de chair, nous sommes tous charnels, donc être soumis ne serait-ce que au desiderata ou aux sept péchés capitaux, c'est la base de tout être humain qui n'a jamais été envieux de son voisin, qui ne s'est jamais qui n'a jamais mangé par excès, hein, ne serait-ce que quand on se fait un resto buffet à volonté, qui ne s'est jamais relevé 4 ou 5 fois pour remplir son assiette à tel point qu'il était qu'il avait le ventre quasi hein, est-ce que vous aviez besoin de vous gaver comme des oies, hein? Non, voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est important de cultiver sa zone sombre parce que justement ça va vous éviter d'être frustré, ça va vous éviter de plus tard de déprimer, de développer certaines formes de maladies. Hein, si je prends par exemple certaines formes d'ulcères ou de cancer, parfois c'est dû eh bien, à une frustration beaucoup trop importante et votre corps finit par créer en fait des espèces de boules de nerfs qui vont devenir, qui vont se développer en cancer tout simplement. Et ça, tout ça, c'est dû des fois, alors je dis bien des fois, hein, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des fois, on pourrait s'éviter certains mots, M-A-U-X, comme les crises d'angoisse, la culpabilité, etc., etc. Il y a beaucoup de mots qui existent et qui sont dus au fait que les gens n'assument pas leur part sombre. Et vous allez avoir les pseudo coachs spirituels qui vont vous vendre des rituels à base de plantes, de pierres, de machins, d'ancrage, les chakras, blablabla et toutes ces conneries pour vous dire que non, si vous souffrez de ça, c'est parce que vous avez le chakra qui est déséquilibré dans la couronne de Mars, dans l'alignement de la constellation du Capricorne, parce que vous êtes du 7e décan. Non, mais non. C'est juste que vous avez un vice, assumez votre vice, reconnaissez-le tout simplement, reconnaissez-vous comme étant un être humain faible avec ses faiblesses et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de ces rituels, vous n'aurez pas besoin de... Non, non, voilà. C'est pour ça que mais accepter sa part d'ombre, c'est important. C'est-à-dire que oui, nous sommes porteurs de lumière, oui, nous sommes capables de très grande bonté, mais il faut aussi reconnaître ce qui est, c'est que l'être humain est capable des pires cruautés et des pires saloperies. Hein, ça, faut que... Ben, hein, je vous fais pas un exemple. Je pense que si je vous reparle du Malleus Maleficarum, il a été écrit par des hommes. Et quand on sait ce que l'être humain est capable de faire dans ce livre, hein, voilà. Et en plus, ça vient d'hommes qui se disent travailler pour la lumière, pour l'amour et pour le pardon. Vous imaginez quelqu'un qui se dit être complètement lumineux et qui est capable de faire des horreurs pareilles, hein, ça se pose là quand même, hein, le travail de la lumière. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être sectaire.
Et donc on en revient à Catherine Queneau. Donc Catherine Queneau, elle a sorti donc l'Almanach des sorcières que je vous recommande. Alors vous l'avez en deux formats, vous l'avez en petit format et vous l'avez vraiment en très gros format. Moi le petit format il s'est transformé, vous savez j'avais fait le grimoire de Hocus Pocus avec et je me suis gardé le grand format pour travailler. Et elle a sorti aussi un autre livre qui s'appelle Le Livre Noir de la Sorcière. Alors pour le coup il porte très bien son nom puisque effectivement c'est vraiment un livre noir. Dans le sens où on va retrouver en fait de tout. On va retrouver principalement les démons, comment les invoquer, etc. Mais j'y trouve pas mal fait. J'y trouve pas mal fait parce que... comment je pourrais vous le présenter sans vous faire peur? Je le trouve pas mal fait dans le sens où il va reprendre un peu le principe de l'almanach de la sorcière, c'est-à-dire qu'il va vous proposer des dates dans l'année, etc. Il va vous proposer des méthodes avec des rituels. Si je prends par exemple Stolas... C'est marrant que je tombe sur ce démon parce que je suis en train de me refaire la série Sabrina et le familier de Lilith s'appelle Stolas justement et qui est un démon symbolisé par un corbeau. Et fait d'exprès je tombe sur lui, bon c'est marrant. Mais voilà, donc on va avoir par exemple pour Stolas, son titre c'est un prince, le métal auquel il est rattaché c'est l'étain, le sceau, donc on a le sceau de Stolas à côté, il commande 26 légions. S'il est associé aux connaissances de l'astronomie, son apparence est un hibou couronné ou un grand corbeau, bah voyez, je venais de vous le dire en plus. Puis sous la contrainte de l'exorciste, Stolas peut prendre les traits d'un homme. Son action, il protège des malfaiteurs, donc voyez, les démons sont capables de protéger aussi. Donc quand j'entends des trucs qui disent les démons sont juste méchants, non, les démons ne sont pas l'incarnation du mal. Ça aussi, il faut arrêter, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de super guerre entre Dieu et le diable, au contraire. Les dieux, les deux travaillent plus ou moins ensemble parce que on a toujours besoin d'un méchant pour faire passer l'autre pour un gentil, hein, pour un héros. Si vous n'avez pas un méchant dans le film, si vous n'avez pas le méchant, hein, qui veut détruire le monde, etc., bah, comment le héros devient héros? Comment celui qui est gentil peut montrer, peut prouver qu'il est gentil, qu'il est différent de l'autre si justement ils ne s'affrontent pas, s'ils n'ont pas besoin l'un de l'autre, hein, voyez? Donc c'est pour ça, il n'y a pas de super guerre entre les deux et il y aura jamais l'apocalypse, il y aura jamais les trompettes qui vont sonner, etc., etc. Non, parce que, comme je vous l'ai dit, les ténèbres ont besoin de la lumière pour vivre. Et d'ailleurs, si on prend juste l'aspect scientifique de la chose, on va pas vers la lumière. Le cosmos, au contraire, est voué à disparaître, hein, puisque que ce soit toutes les galaxies, tout ça, l'univers est en perpétuelle expansion et tôt ou tard, dans des milliards d'années, eh bien, rien que notre soleil va disparaître, il va s'éteindre, donc nous n'aurons plus de lumière. Notre planète, de toute façon, notre planète n'existera plus, puisque le soleil va l'avaler, hein, quand le soleil va grossir. Mais pour dire que il y a une date de péremption de l'univers et l'univers est voué à aller dans les ténèbres, pas dans la lumière. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut savoir accepter. C'est comme ça, c'est la nature, c'est ainsi fait. Et donc, ce qui fait que ce livre, il est pas mal, dans le sens où, voilà, on va retrouver différents démons. Alors, il y en a certains que je connais, il y en a d'autres que je connais pas, en revanche. Mais honnêtement, c'est pareil, c'est un livre qui est à voir... Si vous êtes fan de l'almanach de la sorcière de Catherine Queneau, prenez celui-ci pour compléter, les deux se complètent vachement bien. Il y a des choses à prendre, en plus il est pas très cher, il est à 19,95€, hein. En plus il est de très bonne qualité. Il y a des choses qui se complètent bien, il y a d'autres informations en revanche, c'est à vérifier dans les sources, mais maintenant que vous avez des super ouvrages, vous pourrez vérifier justement vos sources pour voir si ça corrobore. Et non, mais dans l'ensemble, c'est quand même un bon livre de travail, et à titre de culture aussi. Bon, et je vous ai réservé maintenant le meilleur pour la fin, et là, je vais présenter ces livres, je vais perdre la moitié des abonnés. C'est pas grave. Non, comme vous le savez, moi, j'ai toujours cherché à savoir. Et j'aime pas me contenter d'un seul son de cloche. Vous le savez, je vous l'ai dit en plus que je suis à la base de confession protestante. J'ai pris le baptême protestant. J'ai eu le double baptême. Hein, pour ceux qui sont protestants, vous le savez, j'ai eu le baptême par immersion, dans l'eau. Et j'ai eu le baptême de l'esprit. Voilà. Donc ça vous prouve que je suis pas fondamentalement démoniaque quand même. Hein. Mais en fait, quand j'ai commencé à lire ma Bible, très jeune,
il y a beaucoup de choses qui me dérangeaient. Et ce qui me dérangeait le plus, en fait, c'était cette insistance qu'avaient les prêtres et le pasteur, puisqu'il faut savoir que, en fait, ma famille paternelle est catholique très pratiquante et ma famille maternelle est protestante orthodoxe. Donc, ce qui fait que j'ai baigné dans les trois religions chrétiennes. Et ça me dérangeait cette façon de me dire toujours ce qui est écrit dans la Bible est la vérité, etc., etc. Tu prends tous les mots tels qu'ils sont, c'est la vérité. Ok, donc moi, bête et discipliné, je prends tout comme argent comptant. Sauf que il y a certains passages que je lisais et puis je me disais tiens, c'est bizarre comme c'est écrit, comme c'est formulé. Alors bon, je suis pas vraiment une quiche en français, au contraire. Donc ce qui fait que quand je lisais certaines phrases, je me disais tiens, c'est un peu équivoque cette phrase, tiens, ça laisse sous-entendre quelque chose, etc. Et puis le problème, c'est que quand je posais la question du coup au pasteur ou au prêtre, et ben jusqu'au jour où j'ai posé trop de questions et on m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte de l'église parce que je dérangeais la tranquillité de l'esprit de la communauté. Hein, voilà. Donc pour vous dire à quel point j'étais le vilain petit canard jusqu'au bout dès très jeune en fait. Hein. Des très jeunes. Mais parce que moi, tu ne me dis pas que ceci est la vérité, et puis quand tu me donnes tes trucs, je vois qu'il y a plein d'aberrations, et que justement, ça peut pas être la vérité, et que le pire, c'est quand je te pose des questions, que tu me dis non, mais non, non, c'est comme les dinosaures. Un jour, j'avais posé la question des dinosaures, on m'avait dit, oh, non, non, mais les dinosaures, ça n'a pas existé. Comment ça, ça n'a pas existé? Bah si, ça a existé, si, il y a des preuves quand même que les dinosaures ont existé, me dis pas que ça n'a pas existé quand même. Mais c'est ça, en fait, que j'ai toujours reproché à l'église, c'est cette façon d'être dans le déni, alors qu'il y a des choses qui pourraient s'expliquer. Les dinosaures, on sait par exemple que Dieu a tout créé en 7 jours, mais le temps de Dieu n'est pas le temps humain. Quand on nous dit Dieu a créé les animaux, etc., mais peut-être que dans les animaux, il y a eu les dinosaures, et puis il y a eu une période où les animaux ont régné sur la Terre, et peut-être que cette période-là, ça correspond à un jour dans la temporalité de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on aurait pu me l'expliquer comme ça, au moins, que là, non, non, ça n'existe pas, ça c'est les hommes, il y a un homme et une femme qui sont sortis de la terre, hop, et ça a fait l'humanité, d'accord. Alors pourquoi il y a des gens de couleur, pourquoi il y a des gens qui parlent pas la même langue, d'accord, la tour de Babel, c'est pour ça que l'humanité parle pas la même langue, ok, d'accord. Enfin vous voyez, il y a trop d'absurdités. Bref, donc j'ai commencé à farfouiner dans d'autres possibilités, dans d'autres convictions religieuses, dans d'autres chemins. Je me suis tourné vers le bouddhisme, vers le taoïsme. Et là, c'est vrai que j'avais trouvé des choses qui étaient assez intéressantes. Et comme j'aime ne pas tout savoir, enfin entre guillemets, je suis quelqu'un qui est très curieux et qui a une grosse soif de connaissances. Et je me suis dit, un jour, je suis tombé sur un livre, et là je me suis dit... Ok, est-ce que ce livre, tu le prends? Est-ce que tu vas oser le prendre? Mais est-ce que tu vas oser le lire? Et oui, je l'ai pris, et je l'ai lu, et je dois avouer quelque chose, j'ai été, mais alors, déçu. Il s'agit de la Bible satanique. Et là, j'en vois déjà derrière leur écran, je le savais qu'il avait donné son âme à Satan. Non, que nini. Alors déjà, la Bible satanique, elle a été écrite par un homme assez récemment, puisque certains, vous le connaissez, certainement, hein, ça a été une figure assez emblématique des années 70. Il s'agit de Anton Zwander Lavey, qui est... donc il a... Je sais plus en quelle année, c'était en le 30 avril 1966, je crois, qu'il a créé l'église satanique officiellement à Los Angeles. Je connais plus toute sa biographie, mais je sais qu'il a été musicien, ancien musicien, il a été dresseur de fauves, il a été enquêteur paranormal, enfin c'est un homme qui a eu plusieurs cordes à son arc, et c'était un homme aussi qui était très, très provocateur. On se ressemble beaucoup physiquement d'ailleurs, c'est assez perturbant. Ça vous... Tapez Anton Zwander Lavey, vous verrez qu'on a un gros air de ressemblance tous les deux. C'est pas pour me rassurer du coup sur mon avenir. Je vais peut-être finir gourou, je sais pas, d'un temple satanique. bon, blague à part. Et donc, c'est lui qui a écrit la Bible satanique, donc c'est pas du tout un texte hippocrate, c'est pas du tout un texte canonique, hein, c'est pas du tout un texte qui est reconnu par le Vatican, c'est pas non plus un texte qui date de cette époque-là, et vraiment, c'est un livre qui est récent, qui date des années 70, hein, enfin, si je dis pas de bêtises, 70 ou même un peu avant, je sais plus quand est-ce qu'il l'a écrit,
Je sais plus du tout quand est-ce qu'il a écrit. Attendez, je vais regarder si c'est noté. Parce que je sais que j'ai une date, je crois, j'ai 1952 en tête, mais je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Non, non, c'est ça, dans les années 70. Hein. Dans les années 70. Donc, vous voyez, c'est un livre qui est très récent, qui a une trentaine d'années d'existence. Hein. 30 ans, qu'est-ce que je dis? Car. Non, 30 ans! Mais enfin, Jonathan, on est en 2020, pas 30 ans, 50! 50, voyons! Pourquoi je me croyais dans les années 2000, là? Moi, je sais pas. Donc, c'est un livre qui a un peu plus de 50 ans aujourd'hui. Et honnêtement, en fait, ce qu'il décrit, donc c'est la Bible satanique, l'Apocalypse selon Lucifer. Et honnêtement, il est décevant dans le sens où si vous attendez, si vous l'avez vu passer ce livre et que vous dites dans vos plus profonds secrets inavoués, que vous dites oh tiens, j'aimerais bien lire ce livre, vous allez être déçu si jamais vous vous attendez à trouver des vierges sacrifiées, des orgies qui n'en finissent plus, des je sais pas quoi dans des cimetières et compagnie et compagnie, tous les clichés les plus grotesques et les plus vulgaires. Si vous pensez trouver tout ça dans ce livre, et ben franchement vous allez être un petit peu déçu, parce qu'il n'y a absolument rien de trash. En fait, Anton, alors là aussi c'est sa vision à lui, c'est pas du tout. Là aussi, ça mériterait presque que je fasse une vidéo complète en fait sur le sujet. Mais il faut savoir que Lucifer, soit Satan, Lucifer, peu importe la figure en fait, peu importe la figure, mais il représente l'adversaire, il représente l'inverse de ce que Dieu donne. C'est-à-dire que par exemple, Dieu a donné des commandements aux hommes, par exemple. Et ben, Lucifer, lui, il va être dans l'inverse, c'est-à-dire qu'il va être plutôt pour la liberté individuelle. Il va plutôt prôner pour la part de divinité qu'il y a dans chaque être humain. Et c'est vrai, après tout, quelque part, on est tous plus ou moins connectés au divin. Et en fait, Lucifer, déjà, c'est même pas une divinité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des idoles de Satan et faut s'agenouiller. Non. En fait, Lucifer va plutôt être pris comme une sorte de Marianne. C'est-à-dire une figure symbolique, représentative, comme la Marianne de la Révolution, voilà, c'est-à-dire celui qui se rebelle, celui qui ne veut pas être soumis, qui ne veut pas être soumis à des lois, qui ne veut pas faire ceci, qui veut être libre de ses propres choix, qui veut être libre de ses propres actions, qui veut être libre de vous tourner une gifle s'il s'en prend une, hein, puisque Dieu nous dit si on te gifle, eh ben tu tends l'autre joue, et eh ben Lucifer il dit non, si on te gifle, eh ben tu la rends la tarte aussi, hein, c'est aussi simple que ça, voilà. Bon, on est dans cet état d'esprit là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le satanisme, pour ceux qui seraient plein de clichés, ce qui est intéressant, c'est que dans le satanisme, il y a certaines lois aussi qui existent. Et entre autres, il faut savoir que tout ce qui est démon, tout ça, sont très protecteurs de la nature. C'est-à-dire que on voit très souvent le cliché des satanistes qui tuent des chèvres, des chats, des poules dans les cimetières, machin et tout. Mais non, justement, ça, c'est juste des fanatiques, c'est des tarés. Un peu comme les gars de Daesh, là, hein, qui tuent au nom de Allah. Non, non, la religion musulmane, c'est pas ça. Ou l'Inquisition qui tuait au nom de Dieu. Non, Dieu, c'est pas ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, en fait, tous les clichés que vous pouvez avoir par rapport au satanisme, c'est dû à des extrémistes religieux qui ont interprété les trucs, qui ont fait même, j'ai même envie de dire, leur propre religion à leur propre sauce, alors que lorsqu'on regarde les vraies règles et la vraie philosophie du satanisme, mais on est, mais alors, à des millions d'années-lumière de ce qu'on peut avoir comme clichés qui ont été véhiculés par Hollywood et compagnie, vraiment. Donc ça vous intéresse, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Puisqu'en gros, on va vraiment être dans la liberté individuelle, la liberté d'être qui on veut être, de faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que, par exemple, Anton ne préconise pas l'adultère, la tromperie, le mensonge, la manipulation, etc., etc. Non, il vous dit simplement d'être libre d'être qui vous avez envie d'être. C'est-à-dire que si vous aimez profondément quelqu'un et que vous avez envie de lui être fidèle, eh ben soyez lui fidèle. Hein? Si au contraire, vous êtes quelqu'un de très libre sexuellement parlant et que vous aimez avoir plusieurs partenaires, eh bien soyez libre de faire vos pratiques sans culpabilité, sans avoir honte de qui vous êtes, etc., etc. Vous voyez, eh ben on est dans cette idéologie là du respect en fait de l'être humain et de chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Au contraire, il y a même certaines lois, ils condamnent aussi certaines pratiques comme la pédophilie, la zoophilie, etc. Il y a des choses qui sont répréhensibles et condamnables, alors que Anton pourrait très bien dire oui, vous pouvez coucher avec des animaux. Non, là il y a vraiment des règles et des lois, puisque je vous dis, l'emblème, la divinité en fait qui a été prise comme porte-parole de Lucifer, c'est le fameux satyre, c'est le fameux dieu Pan.
Et Pan, comme je l'ai dit, c'est un protecteur de la nature. Donc on revient encore à ce cycle de protection de la nature, protection de la création. Hein. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu tout de suite après de ce que je pense de la possession et compagnie, parce que pour moi, il y a des choses dans la possession que je ne crois pas. Mais ça va être le sujet d'après. Et donc, pour en finir au moins sur le sujet de l'abus satanique, ça pourrait presque en fait être un livre de développement personnel. C'est pas du tout une Bible au sens propre du terme, hein. C'est-à-dire pour ceux qui connaissent la Bible, peu importe la Bible de Jérusalem, la Bible catholique protestante, on s'en fiche, la Torah, tout ce que vous voulez, tous les textes religieux de référence, on n'est pas du tout dans un texte religieux. Mais on est plutôt dans une idéologie, dans une philosophie, dans un travail personnel, un travail d'introspection. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit peu cultiver votre zone d'ombre, votre part sombre, vous pourriez vous procurer ce livre-là que je vous invite à lire parce que ça remet en question beaucoup de choses, à savoir qu'effectivement l'être humain, on s'enferme dans plein de codes, dans plein de choses qui sont grotesques, la société nous formate aussi à une certaine normalité, il faut qu'on soit comme ceci, comme cela, etc, etc. Puis alors maintenant, en plus d'avoir un numéro de sécu, on a un QR code, hein. Vous vous souvenez, il y a quelques années de ça, on disait, oui, dans le futur, les gens, ils auront tous un code barre. Oh, bah, pas loin, aujourd'hui, on a un QR code, hein, voilà. Donc, on y est arrivé, hein. Vous connaissez la série Le Prisonnier, qui dit, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Bah, voilà, bah, en gros, ce livre, il résume ça. C'est-à-dire, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Et c'est ce que ce livre, ce que la Bible satanique, en fait, vous, instruit, à savoir que vous êtes effectivement chacun libre d'être qui vous voulez être. À partir du moment où les choses sont consenties, mutuelle, respectueuse, réciproque, etc., vous faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Votre voisin vous a fait chier et vous a fait du mal, vengez-vous. C'est aussi simple que ça. Alors, attention, quand je dis vengez-vous, allez pas le tuer et compagnie, parce que là aussi, il y a quand même certaines... Les démons, en fait, là aussi, il y a beaucoup de clichés où on voit les démons qui font vraiment le mal pour le mal, qui tuent, qui détruisent, qui... Mais non, en fait, là aussi, je voudrais abattre ces clichés parce qu'on est loin de tout ça. C'est pas parce que... Enfin, je prends par exemple un tueur en série. Un tueur en série, il est pas habité par le mal. Il est juste dérangé. Il a un problème d'ordre neurologique, hein. Son cerveau, il fonctionne plus très bien. Mais il est pas du tout habité par le mal, hein. C'est pour ça qu'il y a des cas auxquels je ne crois pas spécialement, comme par exemple le cas Amityville. Alors, c'est pas que je ne crois pas que la maison ne soit pas hantée. Si, ça, je sais que la maison est hantée. Pour l'avoir vue de mes yeux, je peux vous dire que la maison, elle est habitée. C'est très clairement. Par contre, c'est l'histoire qu'il y a autour d'Amityville, à savoir que Ronald DeFeo, soi-disant possédé par le diable et qui a tué sa famille. Ça, j'y crois moins. Vous voyez, en plus, surtout quand on connaît un petit peu l'histoire de la famille des Feux, tout ça, il y a des choses auxquelles je crois moins quand même. Mais non, un démon, les possessions, tout ça, quoi, un démon ne va pas vous forcer à tuer quelqu'un, non. Très souvent, en plus, si vous regardez, donc maintenant, on va terminer un petit peu avec le sujet satanisme. Et donc oui, voilà, c'est des livres que j'ai, puisque j'ai la Bible satanique et j'ai aussi le manuel satanique, les rituels sataniques, qui sont intéressants là aussi, parce que en fait, pourquoi ils sont intéressants? Parce que je vois pas une grosse différence avec les rituels qu'on peut faire, quoi. Que ce soit le baptême, par exemple le baptême satanique, le baptême obscur. Il n'y a pas une grosse différence avec les baptêmes religieux, en fait, ou les baptêmes ou les consécrations magiques, par exemple le Red Wiccan, hein, vous regardez un petit peu les baptêmes Wiccan, les baptêmes magiques, je vois pas une très grosse différence, surtout que les outils sont exactement les mêmes. On a besoin d'un calice, d'un chaudron, d'un attamé, des bougies, de l'encens, un encensoir. Non, je vous dis vraiment, j'ai été déçu dans le sens où je m'attendais à un truc plus rock'n'roll, plus trash, plus parce que même moi j'avais certains clichés, hein, quand j'ai lu ces livres. Et quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit, ah ouais, bah ouais, bah écoute, ça m'a pas changé, ça m'a changé ma vision, par contre, mais ça m'a pas changé dans le sens où je me suis dit, ouais, bah y a pas une grosse différence en fait avec la magie traditionnelle, quoi, en gros, hein, c'est voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu... Donc là, on a fini avec les livres, hein. On a fini avec les livres, pour ceux qui seraient pressés, parce que je pense que la vidéo, elle doit faire déjà une bonne heure. Donc, je vous fais des gros bisous, pour ceux qui sont pressés, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent rester un petit peu, je vais vous parler maintenant d'un autre sujet qui me tient à cœur, il s'agit de la possession démoniaque. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que bah, c'est dans l'ordre logique de la présentation des livres.
Alors, qu'est-ce que je pense au nom de la possession démoniaque? Si vous regardez bien, tous les fameux cas de possession démoniaque, à chaque fois, tout le temps, à chaque fois, ça a toujours lieu dans des familles qui sont pieuses, qui sont catholiques, rarement protestantes, c'est arrivé, mais très souvent, ça arrive dans des familles qui sont très croyantes. Ça arrive, c'est très rarement arrivé chez des familles qui n'étaient pas croyantes. Parce qu'en fait, vous avez deux types de possession. Vous avez vraiment la possession démoniaque, la vraie possession démoniaque. Et vous avez en revanche tous les phénomènes de hantise et de possession par les lieux ou par les entités qui habitent dans ces lieux. Si je prends par exemple le cas Enfield avec le poltergeist d'Enfield, hein, qui est le sujet de Conjuring 2. Bon, là aussi, c'est un sujet à controverse. Mais un poltergeist n'est pas un démon, c'est un esprit frappeur. D'ailleurs, poltergeist, hein, ça vient de l'allemand qui veut dire esprit frappeur. Et donc un poltergeist n'est pas un démon, c'est une entité apparentée à une énergie démoniaque. Mais parce que là aussi, alors avant de vous parler de ça, il faudrait que je vous décrive aussi les différentes catégories d'entités. C'est-à-dire que vous avez les fantômes, mais dans les fantômes, vous avez différents types de fantômes, hein, que ce soit les spectres, les ombres, les revenants, les hantises, les poltergeists, etc., etc. Il y a plusieurs types de fantômes. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée aux différentes catégories de fantômes. Vous avez après tout ce qui est apparenté aux éminences grises, aux égrégores, aux chimères. Vous avez ensuite les démons, et dans les démons, vous avez plusieurs hiérarchies qui existent. Vous avez aussi plusieurs ordres, c'est-à-dire qu'il y a le premier ordre. Alors celui qu'on appelle le premier ordre, c'est les démons originels, type Lucifer, Lilith, Samael, etc. Tous ceux qu'on retrouve dans les textes sumériens, babyloniens et dans les textes originels religieux. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les démons du deuxième ordre, de la deuxième hiérarchie, qui eux sont des démons un peu plus modernes, un peu plus récents, qui ont été générés à la base, c'est des égrégores que l'être humain a générés par sa cruauté, par sa colère, tout ce qu'il a, toutes les atrocités qu'il a commises, et bien ça a généré des entités qui sont apparentés aux démons, mais qui, eux, ne sont régis par aucune loi, qui se contrefoutent de tout. Parce qu'il faut savoir que les démons, c'est un peu comme les pirates, ils n'ont pas vraiment des lois, mais ils ont ce qu'on pourrait appeler un code d'honneur. Et lorsqu'il y a une vraie possession démoniaque d'un vrai démon, en fait, ça va être un jeu macabre qui va se faire, un jeu un peu très pervers et macabre entre le démon et celui qui va extirper le démon. C'est-à-dire que le but du jeu, déjà, c'est d'identifier le démon, hein, qui a possédé la personne, et c'est de prouver au démon. Très souvent, le démon, en fait, il va posséder une personne. Alors, très souvent, c'est un pauvre bougre, mais enfin, un pauvre bougre pas non plus innocent. C'est-à-dire que il a fait des bêtises, hein, ou alors il a joué avec le feu. Par exemple, prenez dans l'exorciste, Regan, elle se fait pas posséder comme ça d'un coup. Non, elle se fait posséder parce qu'elle joue toute seule à la Ouija, hein, vous voyez, elle a enclenché quelque chose qui fait que, et en plus, là où à la rigueur ça pourrait être logique avec Pazuzu pour Regan, c'est comme je l'ai dit, Pazuzu c'est un démon protecteur, et comme Regan c'est une petite fille, peut-être qu'on peut se dire qu'il a voulu donner une leçon à Regan en lui faisant comprendre que jouer à ce type de jeu c'est dangereux, et que par conséquent tu veux jouer avec le feu, et ben je vais te punir pour te montrer que tu ne joues pas avec ça, hein, petite fille, voilà. Bon, sauf qu'il est un petit peu violent dans le film, ça serait quand même un peu moins ça serait un peu moins cruel quand même, hein. Mais les démons, voilà, ils peuvent être amenés parfois, si vous jouez, à vous donner une bonne leçon. Mais très souvent, c'est une très grosse frayeur. C'est un truc qui normalement devrait vous traumatiser à vie et qui vous fera tout lâcher. Vous ne le referez pas. Je prends par exemple Ghost Adventure. Ghost Adventure, il y a un épisode où Zach, c'est d'ailleurs dans les derniers épisodes, puisque depuis Zach, il a plus ou moins disparu de la circulation. Il y a un même cette vidéo, si vous savez où est-ce qu'on peut la trouver, ce sera avec plaisir parce qu'elle a disparu de partout. Il y a juste 2-3 extraits. Zach, en fait, est intervenu dans une maison. Il a acheté une maison qui s'appelle la maison du démon. Si vous trouvez l'extrait, allez voir, parce que pour le coup, Zach, on lui a bien fait comprendre maintenant qu'il fallait qu'il arrête de jouer. À force de chercher, eh ben, il a eu le Big Boss qui s'est manifesté à lui, et puis on voit clairement ce qu'il y a à voir, ça suffit, hein, ce qu'il y a à voir. Et à tel point que ça lui a abîmé la vue en grande partie.
Donc voilà, on lui a fait comprendre. Maintenant, Zach, tu te calmes, parce que Zach, il est quand même beaucoup dans la provocation, hein, dans ses émissions. Moi, ça me dérange beaucoup. D'ailleurs, autant j'adore Ghost Adventure, autant j'aime pas la façon de Zach de comme ça de provoquer parfois les entités. Et donc, ils lui ont donné une bonne leçon pour lui faire comprendre. Maintenant, tu te calmes. Et donc, comme je disais, les démons du premier ordre, de la première hiérarchie, vont être comme ça, avoir une sorte de code d'honneur qui fait que, voilà, si vous respectez ceci, alors vous pouvez obtenir cela, etc., etc. Et pour une possession, ce que je vous disais, donc très souvent, ça va être une personne qui aura fait une bêtise, hein, qui sera pas complètement pure, qui sera pas innocente, mais par contre, le démon en question, il va viser non pas la personne le possédé, mais il sait en fait quelle est la personne qui va intervenir pour extirper, hein, pour faire le rituel. Pardon. Et à ce moment-là, du coup, le démon en question, il va tester la personne, il va tester l'exorciste, il va tester la foi, la capacité à. Là, on parle pas d'une capacité, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'être un homme de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être ordonné par l'église pour réaliser un rituel d'exorcisme. Par exemple, il y a des rituels qu'on ne montre pas, et c'est bien dommage, mais très souvent, vous avez tous le cliché du crucifix, de l'eau bénite, hein, et des trucs... voilà. Mais il y a d'autres formes d'exorcisme qu'on ne montre pas, qui se passent beaucoup mieux, qui se passent sans cri, sans rien du tout. Je prends par exemple un exorcisme satanique. On va tout simplement invoquer un démon beaucoup plus élevé dans la hiérarchie que celui qui est possédé, et on va lui demander de venir récupérer le subalterne et de repartir avec lui. Et là, il n'y a pas de cri, il n'y a pas... Bah oui, pourquoi? Bah parce que c'est logique, les amis, tout simplement. Un rituel église contre un démon. Bah forcément, les démons, ils ont Je vais pas le sortir, ce mot, c'est pas la peine. Une aversion, si c'est. Ils ont une aversion, mais vraiment épidermique à tout ce qui se rapproche à l'église. Donc forcément que la rencontre va être violente. C'est comme si vous avez, je sais pas, un début de flamme dans votre friteuse, vous allez balancer de l'eau dessus. Ça, c'est le dernier truc à faire. Jeter de l'eau sur de l'huile, mais c'est le meilleur moyen de faire flamber toute la baraque. Bon, et ben un exorcisme classique, c'est ce principe-là. C'est-à-dire qu'on a le feu et on a l'eau, et ben quand les deux ils se rencontrent, c'est hein, voilà. Que si on soigne le feu par le feu ou l'eau par l'eau, eh ben étrangement, ça coule plus facilement, c'est nettement plus simple, hein. Donc c'est pour ça que les rituels d'exorcisme, on voit toujours les mêmes trucs parce que Hollywood adore ce genre de trucs, mais je jure que si Hollywood un jour faisait un film avec un exorcisme satanique, un exorcisme magique ou autre, ben on s'ennuierait dans le film parce qu'il y aurait pas de cris, il y aurait rien, ça serait ennuyeux, hein, très concrètement. Voilà. Bon, donc maintenant vraiment on va parler justement des possessions, comme je vous le disais. Je suis très partagé sur ce sujet-là, dans le sens où c'est quand même assez curieux que ce soit toujours des familles très pieuses. Alors l'église pourrait me répondre oui, mais justement parce que ils sont très croyants, ils sont encore plus soumis aux attaques du malin, blablabla. Je les connais les discours, hein, je les connais, ma Bible je la connais par cœur, je connais les églises par cœur, donc qu'on me raconte, c'est le cas de le dire, qu'on me raconte pas la messe, hein, je sais tout ce quoi on pourrait me dire derrière. Mais justement, si les démons, ils ont juste comme vocation de faire le mal, pourquoi est-ce qu'ils ne possèdent pas la terre entière? Et puisque l'Église nous dit que justement, Satan est le roi de ce monde et le prince de ce monde, bah justement, pourquoi posséder ses sujets, hein? C'est pas logique, voyez ce que je veux dire? Surtout qu'un démon n'a pas de raison à vous posséder et à vous détruire. Au contraire, lui, ce qu'il convoiterait, c'est au contraire de vous séduire, de vous attirer, de vous... Viens, mon enfant, viens, j'ai des bonbons pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas, au contraire, de vous forcer et de vous braquer. Non, c'est pas le but, hein, puisque ils vont plus être là à vous séduire, puisque eux, leur objectif, ce serait de rejoindre un maximum les rangs, de gonfler les légions infernales pour que, soi-disant, le jour où il y ait cette guerre mystique, eh bien, que les enfers soient en nombre supérieur par rapport aux anges. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, c'est pour ça qu'il y a des trucs qui, pour moi, ne sont pas logiques. Il y a des trucs auxquels je crois pas. Alors, autant je suis le premier à adorer les films d'horreur, les machins comme ça, mais autant je me marre devant parce que non, ça ressemble pas à ça ressemble pas en fait à ce que des démons pourraient faire vraiment. Et du coup, on en vient à l'autre, aux autres types de possessions, à savoir que oui, par contre, vous pouvez être possédé par d'autres types d'entités. Je vais y arriver. Vous pouvez être possédé par d'autres types d'entités, comme par exemple des entités démoniaques, qu'il ne faut pas confondre avec les démons. Hein, un démon, c'est un démon. Une entité démoniaque, ce n'est pas un démon. C'est une espèce de... Comment je pourrais dire? Une espèce de raclure. Une espèce de raclure. C'est la racaille, en fait. C'est la racaille des enfers. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il est juste là pour faire chier et pour emmerder. Voilà, donc ça oui, ce type là, effectivement, c'est des choses qu'il faut combattre. Et c'est pour ça que je vous dis, il est très important de connaître ces démons, qu'il est important d'étudier la démonologie pour reconnaître justement un démon d'une entité démoniaque, d'un parasite, d'une larve, d'un égrégore, etc., etc. Parce que si vous n'avez pas cette culture là, comment vous pourrez reconnaître quand le mal est vraiment présent devant vous? Comment vous pourrez le reconnaître? Comment vous pourrez l'identifier, comment ensuite pourrez trouver les bons rituels pour faire ce qu'il y a à faire, comment vous pourrez vous en protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que très concrètement, un démon, ça ne se combat pas, ça ne se tue pas. Hein. C'est pas comme dans Charm, on fait pas une potion, on lui balance à la tronche et ça y est, c'est vaincu. Hein. Non, ça ne marche pas, c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Hein. Un démon, ça ne se tue pas. Déjà, un démon, ce n'est pas physique. Un démon, c'est une énergie. C'est quelque chose d'éthérique. Hein. C'est pas moléculaire, hein, qu'on soit bien d'accord. Pareil pour les entités démoniaques, etc., etc. Et ça peut arriver parfois de faire face à une entité démoniaque, de faire face à un lieu qui est habité par des forces vraiment très négatives, mais à tel point qu'il va falloir faire appel justement à une énergie équivalente supérieure pour venir nettoyer la zone. Alors oui, là vous allez me dire, mais ça paraît aberrant ce que tu dis, Jojo. Mais non, réfléchissez 2 minutes et ça semble très logique au contraire. Ça semble très logique. C'est-à-dire qu'on va appeler en gros plus fort pour venir nettoyer la zone. Et quand je dis plus fort, c'est-à-dire que c'est comme les archanges, hein, c'est-à-dire que la hiérarchie démoniaque, vous avez la même chez les gens, chez les anges, c'est-à-dire que vous avez les archanges et en dessous vous avez les anges. Et ben en gros, chez les démons, on aurait les démons, donc les archidémons, et en dessous on aurait les entités démoniaques. Voilà. Et ben en gros, si vous aviez un ange qui fait le con, et bien vous appelleriez un archange pour venir, et ben c'est le même principe de l'autre côté, hein. Et c'est quand même nettement plus facile d'appeler quelque chose avec une énergie qui est déjà présente plutôt que de faire appel à son contraire. Et oui, là encore, réfléchissez. Hein. Je vais vous reprendre par exemple, je prends une méthode de pompier qui existe pour éteindre certains incendies. Parfois, ils allument un autre incendie à l'opposé du brasier pour que l'incendie qui va avancer, quand ils vont se rencontrer, et ben pouf, ils vont s'éteindre parce qu'il n'y aura plus rien à consommer. Voyez, contrairement à ce qu'on croit, les pompiers n'utilisent pas toujours de l'eau pour éteindre les incendies. Non, parfois, ils sont amenés à créer d'autres incendies pour neutraliser l'incendie qui avance. Et ben là, c'est exactement le même principe, d'où le fait de soigner le feu par le feu, voyez. Mais c'est un sujet qui est très 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 vaste, très complexe, très complet. Je pense que ça mériterait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc si vous êtes intéressé, ce sera avec grand plaisir que je vous partagerai ça. Par contre, il y a des vidéos que je vous mettrai peut-être plus en privé dans l'onglet rejoindre, hein, dans la partie abonnement, parce qu'il y a des choses un peu plus sombres quand même. Et j'ai pas envie que ce soit tout sur YouTube, tout ça. S'il y en a qui n'ont pas de mal avec ça, moi si, parce qu'on ne joue pas avec ce type de force. Ça, je le dis, je le redis, c'est pour ça les amis que je suis chiant à vous dire ça, parce que je pense qu'il y en a certains qui doivent se sentir un peu illégitimes dans le sens où quand on m'entend parler, quand on entend tout ce que je dis, et qu'il y en a, ils doivent se dire ouais mais moi j'ai pas cette culture, donc du coup je suis rien. Non, c'est pas que vous n'êtes rien, c'est juste que il faut que vous soyez conscient de votre potentiel, il faut que vous soyez conscient de votre esprit, de votre intellectualité et de la culture que vous avez. La culture, c'est quelque chose qui s'acquiert. Je viens de vous donner des ouvrages. Il vous suffit de lire ces ouvrages, d'aller puiser dedans,
Et tout ce que je suis en train de vous dire, vous pourrez le dire aussi. Vous aurez la même connaissance, d'accord ? Tout ça, je l'invente pas. Bon, après, il y a aussi des expériences personnelles hein, qui viennent amplifier certains trucs, qui viennent renforcer d'autres trucs. Mais c'est pour vous dire que la magie, c'est pour ça que je fais la chasse comme ça, dans le sens où la magie, c'est pas à la portée de tout le monde. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui, très clairement. Et surtout, eh bien, il faut arrêter d'invoquer les licornes, il faut arrêter d'invoquer ceci, d'invoquer cela, parce que c'est comme ça, après qu'il y a des drames aussi. Pourquoi il y a de plus en plus de drames en ce moment? Parce que les gens, justement, alors, on a une relation de cause à effet, c'est-à-dire que les gens, ils sont dans cette dynamique de rechercher une voie spirituelle. On peut pas vous en vouloir, parce qu'on est tous déboussolés, justement l'église on n'y croit plus, il y a des choses auxquelles on ne croit plus, mais on a besoin de croire, parce que le propre de l'homme, justement, c'est de croire en des choses, mais on sait plus, justement, on sait plus à quel saint se vouer, très concrètement. Donc du coup, beaucoup se tournent vers le côté païen, la wicca, la magie, etc., etc. Mais non, c'est dangereux, c'est très dangereux, au contraire. C'est-à-dire que déjà, lorsque vous vous lancez dans cette pratique, posez-vous les questions de savoir en quoi vous croyez réellement. Avant de faire quoi que ce soit comme pratique, posez-vous ces questions. En quoi je crois vraiment? Est-ce que je crois en Dieu? Si je crois en Dieu, je crois au diable. C'est obligatoirement, ça va avec. Vous ne pouvez pas croire ou l'un ou l'autre. Non, vous êtes obligé de croire aux deux. Ça, c'est obligé. Est-ce que je crois qu'il y a des extraterrestres dans l'univers? Est-ce que je crois que la Terre est ronde? Est-ce que je crois qu'on est seul dans l'univers? Est-ce que je crois à ceci? Est-ce que je crois à cela? Est-ce que je crois à tout ce que l'Église m'a raconté? Est-ce que... Vous voyez, déjà, soyez dans cette démarche de vous poser les bonnes questions. En quoi croyez-vous? Et là, je ne parle pas des fées, des machins, des parce que là aussi, il y a des trucs qui me... Alors, chacun, bien sûr, est libre de croire en ce qu'il veut, mais il y a des trucs... Moi, je suis désolé, les fées, j'y crois pas. Alors là, je sais, peut-être que je vais en décevoir certains, mais les fées, j'y crois pas. Les dragons, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pour moi, je pense que c'était simplement des animaux lambda, quoi. Hein, par exemple, il y a certains animaux qui ont une salive extrêmement inflammable. Donc pourquoi pas avoir des animaux qui étaient ailés, qui étaient capables non pas de cracher du feu, mais qui, de par leur salive très acide ou très inflammable, avec les rayons du soleil, suffisait à embraser leur salive quand ils crachaient. Donc du coup, ça crachait une boule de feu. Pourquoi pas? Il y a des choses auxquelles je ne suis pas fermé fondamentalement, mais comme il n'y a pas de preuves encore scientifiques, du coup, j'y crois pas tout à fait, mais je ne suis pas non plus hermétique à ça. Les extraterrestres, bon, on a quand même des choses qui sont plus ou moins quand même inexplicables. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, nous-mêmes, on est issus d'une soute primitive, issue de météorites, etc., qui viennent de l'espace. Donc, nous-mêmes, on est extraterrestres. Donc, je ne peux pas consciemment croire qu'on soit les seuls dans l'univers. Ce n'est pas possible, surtout avec les milliards et milliards et milliards de planètes et de possibilités qui peuvent exister. On ne peut pas être les seuls, voilà. Mais pareil, comme je n'en ai pas rencontré spécialement, non, malheureusement, j'ai pas E.T. qui est venu boire le café à la maison. Donc, du coup, je peux pas vous dire... exactement s'ils existent, mais je ne peux pas dire qu'ils n'existent pas non plus, voyez. Pareil pour les fantômes, les démons, etc. Je sais qu'il y a des choses qui existent, il y a d'autres choses comme les vampires. Les vampires, est-ce que je crois aux vampires? Bah, j'en sais rien. Est-ce que je crois qu'il y a des gens qui se prennent pour des vampires, qui aiment boire du sang, qui vivent la nuit? Bah oui, ça, j'y crois. Hein. Je suis le premier à vivre la nuit. J'aime mieux la nuit parce que je trouve que la nuit, on est plus tranquille. Le jour, c'est stressant, je sais pas, j'en sais rien. Mais voilà, est-ce que je crois qu'il y a des gens qui se prennent pour des vampires? Oui, j'y crois. Est-ce qu'il y a des vampires comme on les voit, à savoir qui vivent dans des tombes, qui... non, enfin j'en sais rien, j'en ai pas vu, donc je peux pas y croire. Mais et pour les fées, tous ces trucs en fait il y a des trucs, ça me semble tellement trop je sais pas, trop farfelu en fait, que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas, pour moi ma pratique magique ressemble à mes croyances, c'est-à-dire que j'ai expérimenté le paranormal, donc je sais. J'ai expérimenté les démons, donc je sais. Je sais que Dieu est là, etc. Donc ma pratique magique est en lien avec les choses que j'ai expérimentées et que j'ai vécues. Mais par contre, je ne vais pas pratiquer des choses auxquelles je ne suis même pas sûr de croire, que je ne suis même pas sûr que ça existe, parce que mes résultats seront bof, tout simplement, voire inexistants. Et toute la magie, c'est ça. Donc avant de vous lancer dans la magie, posez-vous les questions de « En quoi est-ce que je crois ?»
Et c'est en fonction de ce que en quoi vous croyez qui va définir votre pratique magique et non pas l'inverse. Hein. C'est pas parce que vous adorez les fées, vous allez vous mettre à pratiquer de la magie féerique que du coup vous allez croire après aux fées. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est l'inverse. C'est si vous croyez aux fées, vous pratiquerez de la magie féerique, voyez ? Donc c'est pour ça que la magie c'est quelque chose qui doit vraiment... C'est un sujet de maîtrise, c'est un sujet d'expertise. C'est pour ça quand je vous dis on ne s'improvise pas sorcier, sorcière, mais parce que c'est vrai. C'est pas parce que vous avez lu un ouvrage, par exemple de Scott Cunningham qui vous parle de la Wicca, que ça y est, vous revendiquez Wicca. Parce que je vous garantis les amis, hein, lisez par exemple la Bible satanique, je vous jure, beaucoup d'entre vous, pour pas dire tout le monde, vont se reconnaître dedans. Est-ce que ça fait de vous un satanique? Ben non, non, ça fait pas de vous un satanique. Si vous lisez, je sais pas, le marteau des sorcières, le Maleus Maleficarum, pareil, dans les descriptions, beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Est-ce que ça fait de vous une sorcière? Ben non, mais on sait bien que l'Église a tué aussi des innocents qui n'étaient pas des sorcières, hein. Donc vous voyez ce que je veux dire. Alors avant de faire quoi que ce soit, vraiment posez-vous les bonnes questions sur ce en quoi vous croyez, qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous avez expérimenté, et à partir de là, là vous pourrez vous lancer dans un type de magie, parce que ça sert à rien en fait de collectionner, de vouloir faire plein de trucs en même temps, parce qu'en fait vous allez vous éparpiller, vous disperser et votre magie va devenir terne. Sans, il faut au contraire lui donner, souvent on invoque le cône de pouvoir. Le cône de pouvoir, comme son nom l'indique, c'est un cône. Bah oui. C'est un cône. Non, ça c'est un rectangle, Jonathan. Voilà, c'est un cône. Hein, ou un entonnoir à l'envers, comme vous voulez. Mais c'est pas pour rien, parce que oui, en fait, au début, on commence comme la base d'une pyramide, c'est-à-dire qu'on est, on se disperse un petit peu, et petit à petit, pour s'élever, eh ben, il va falloir resserrer les choses pour arriver à un sommet qui va pouvoir canaliser vraiment toute la puissance de votre potentiel. Eh bien, la magie, c'est pareil. Donc, ne vous dispersez pas dans « je vais faire de la magie égyptienne, je vais être druide en même temps, je vais être sorcière, je vais être païenne, je vais être wicca, je vais être démonologiste, je vais être... » Non, 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 non. Spécialisez-vous dans une chose en particulier et restez sur ce credo. Il faut que votre pratique soit en cohérence... Non, pardon, je vais refaire ma phrase. Il faut qu'elle soit cohérente avec vos convictions religieuses et spirituelles profondes. Vraiment. Voilà donc mes chers amis, bon je crois que je vous en ai assez dit, je vous ai fait une belle vidéo bien exhaustive sur le sujet, j'espère surtout que vous aurez appris des choses parce que c'est le but, et moi j'ai été vraiment ravi de partager tout ça avec vous. Ça me tenait vraiment à cœur et puis j'ai envie de démystifier tout ça. Donc régulièrement, je vous ai dit, je vais vous faire d'autres vidéos où je vais vous parler de certaines figures, comme par exemple le Baphomet, hein, où je vous rentrerai dans les détails, etc. Mais pas que, hein. Moi, en fait, ce que je voudrais, c'est vraiment casser tous les clichés qu'il peut y avoir, même sur les anges, hein. Les anges, il y a beaucoup, beaucoup de clichés aussi que vous avez. Et quand j'en vois certains qui travaillent uniquement avec les anges, et quand je vois les aberrations, que parfois je lis des trucs, je me dis « Ah ouais, non mais cette personne, elle connaît pas la vraie hiérarchie des anges, parce que pour sortir des trucs pareils, non, c'est pas possible. » Donc voilà, donc n'oubliez jamais que la culture, ce n'est pas parce que vous n'en avez pas que ça fait de vous un idiot, non. Vous resterez idiot si vous restez dans vos clichés, si vous restez tel que vous êtes actuellement. En revanche, si vous prenez la décision vraiment de vous cultiver, d'aller chercher des informations, d'être curieux tout simplement, de poser des questions, mais poser des bonnes questions, de lire des ouvrages, de regarder un petit peu partout, etc. Et surtout, ayez un esprit critique et scientifique à chaque fois. C'est-à-dire que lorsque vous voyez quelque chose, lorsque vous lisez quelque chose, ne le prenez jamais comme argent comptant. Jamais, jamais, jamais. Essayez d'expérimenter ce que vous avez vu, ce que vous avez lu. Essayez de le mettre en place, d'essayer de vérifier la source, de rassembler plusieurs informations, de les confronter, etc. pour voir si tout est, si tout se corrobore, etc. Et en fait, c'est comme ça que vous allez vraiment pratiquer la magie, parce que lorsque vous allez découvrir, lire quelque chose, vous allez l'expérimenter tout de suite et vous allez pouvoir voir si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne pas, eh bien vous allez pouvoir corriger et réessayer. Et si ça fonctionne pas, eh ben c'est que ça fonctionne pas. Par contre, si ça fonctionne, tiens, il y a peut-être quelque chose qui fait que, vous voyez. Donc c'est aussi à vous, ça se cultive la magie, hein. C'est pas juste le fait d'acheter plein de pierres, plein de trucs.
trucs, plein de machins qui va faire de vous... Non, pas du tout, pas du tout. Mais alors, pas du tout, les amis. Non, non, au contraire. Vraiment, la magie, c'est vous qui la fabriquez de toutes pièces. Et ce n'est pas les accessoires, ce n'est pas les outils, ce n'est pas les livres qui vont faire la magie. C'est vous qui allez la fabriquer de toutes pièces. Mais c'est de par votre culture, de par vos connaissances, de par votre expérience, de par votre... comme un scientifique qui va faire des expériences. Hein, aujourd'hui, pourquoi la médecine, elle a avancé? Parce que justement, on a fait des expériences. On s'est dit, tiens, et si on avalait ce champignon tout vert? Oh tiens, ça soigne de certaines bactéries. Hein, vous voyez? Donc, bah, c'est comme ça qu'on fait des découvertes. Et ben, en magie, c'est pareil. Soyez curieux. Au lieu de vous contenter d'un truc, essayez vraiment, vous voyez ce que ça donne, et puis bah, si ça donne quelque chose, bah, c'est bien. Si ça tourne au vinaigre, bah, vous essayez de refaire quelque chose pour essayer de rectifier le tir, etc., etc. Mais c'est ça, la pratique magique, d'accord? Allez, bon, cette fois-ci, je vous laisse officiellement. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, peut-être moins longues, promis, moins longues. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas d'être curieux.